Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Bonjour. oui. Bonjour. Donc, merci d'être là pour le cinquième chapitre de la formation ISTQB version 2023. Donc, ce chapitre est intitulé Gestion des activités de test. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Monsieur Riyad Abid avec nous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Riyad, Monsieur Riyad est l'un des meilleurs test lead managers en France et qui a travaillé dans les plus grandes boîtes françaises. Donc, merci Monsieur Riyad d'avoir accepté notre invitation pour animer ce chapitre. Je vous donne la main pour vous présenter et annoncer le début et les règles de ce chapitre. Bonjour à tous. Merci Youssef pour cette présentation et pour ces compliments. Merci à tous d'être là pour cette présentation, pour le cinquième chapitre de la présentation ISTQB Fondation, chapitre 5. Donc pour cette présentation, si vous voulez, en fait, voilà, il y aura sûrement des questions et des échanges. Mais peut-être pour rythmer un peu la présentation, pour que ça soit plus cadré, voilà, essayez de poser vos questions peut-être à la fin de chaque sous-chapitre. Comme ça sera plus clair pour tout le monde. Et même pour la présentation, ça sera plus fluide. Donc, il y aura une présentation. Après, à la fin, un petit quiz. Il y aura 8 questions, donc, qui sont des questions type de la certification ISTQB, enfin, niveau fondation. Et voilà, donc si vous voulez, soit on commence maintenant, soit Youssef, comme je vous laisse peut-être gérer un peu le démarrage. Est-ce qu'on attend un peu avant de commencer? Bon, on peut attendre jusqu'à 11h10 et s'il y a une possibilité d'annoncer de lancer l'enregistrement. Je l'ai déjà lancé. Ok, ça marche. Bah, si vous voulez, on peut commencer après les autres s'ils ils peuvent nous rejoindre. D'accord. Bon, on attend peut-être 2 minutes. Ça les fera Ok, venir quand ça marche. on est à Ça marche. 11h10, on peut démarrer. Bonjour. 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 Monsieur, est-ce que je peux poser une question avant de commencer? Oui, avec plaisir. D'accord. Donc, j'aimerais bien savoir, à part le premier chapitre et le deuxième chapitre, la modification de cours, la différence entre de Syllabus 2018 et 2023, est-ce qu'il y a un changement juste au niveau de chapitre 1 et chapitre 2 ou bien dans des autres chapitres? Non, dans tous les autres chapitres, et vraiment, il y a plusieurs changements. Donc, 2023 et 2018, je dis presque 40% du syllabus a changé. D'accord, parce que je suis en Tunisie, donc Ouais. en Tunisie encore, il fait des formations avec le syllabus 2018, donc je crois que je passe le test, j'aimerais bien passer le test sur le GASC en version 2023, donc. Bah, ce que je te recommande, c'est d'attendre un peu. Et D'accord. honnêtement, ça sert à rien de passer le 2018 pour l'instant, de s'investir dans le 2018. Pour l'instant, D'accord. je sais que l'examen en Tunisie, c'est un investissement. Donc, d'attendre un peu. Et sinon, pour ceux qui ont déjà la certification 2018, ils peuvent lire le syllabus 2023, se former sur le syllabus 2023. Et voilà, il n'y a pas de raison de repasser l'examen. Mais pour ceux qui n'ont pas encore l'examen 2018 ou bien la certification 2018, bon, de préférence, qu'ils passent le 2023. Oui, d'accord. La difficulté ici en Tunisie, Oui. si tu n'as pas l'accès de copier le voucher lui-même, il oblige de passer la formation avant Bah, de. tu peux il y a la carte technologique. Je sais pas si quelqu'un a la carte technologique de la Poste ou bien la banque Zitone. Ah là, d'accord, ok.
Ouais, tu peux avec cette carte, tu peux réserver l'examen. Ah, d'accord. Merci à vous. Merci bien, monsieur Bah Youssef. Merci. tu peux te renseigner sur cette carte, la carte technologique, et tu as jusqu'à D'accord. 1000 dinars pour payer chaque année en euros, l'équivalent de 300 euros. D'accord, j'ai noté ça. Merci beaucoup, Youssef. Merci. Je sais pas si Monsieur Khaled peut nous aider sur ce point, sur la carte technologique. Oui, bonjour tout le monde. Oui, Youssef, avec plaisir. Donc, la carte technologique, c'est une carte de paiement à l'étranger et c'est une dérogation aux règles d'allocation touristique, c'est-à-dire c'est un plus que la Banque centrale a donné, et surtout dans le secteur IT, pour les personnes physiques, c'est-à-dire particuliers comme Madame. Elle a le droit à 1000 dinars tunisiens par an. Et pour les sociétés, c'est 10 000 dinars. Donc, si votre société aussi, elle veut avoir une carte technologique, elle a le droit à 10 000 dinars et particulier 1 000 dinars tunisiens. Donc, si vous allez à n'importe quelle agence Banque Zitouna, juste vous apportez avec vous une carte d'identité. Et le dernier diplôme, même le baccalauréat, il est reconnu. Bac, licence, master. J'ai un Et master. oui. Comme je vous ai dit, n'importe quel diplôme, mais c'est bien d'apporter votre dernier diplôme. Légalisé, une copie légalisée. On oblige une copie légalisée. Et vous allez au chargé de clientèle, vous demandez d'ouvrir, de vous. Confectionner une carte technologique. Vous n'avez même pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire, parce que le compte de la carte technologique, c'est un compte interne, c'est-à-dire juste nous, on le voit, mais on vous le communique pas. Donc la carte technologique, vous pouvez payer, mais aussi l'avantage que vous pouvez recevoir aussi des émoluments et des indemnités si vous faites des services à l'étranger. Donc, vous payez, mais aussi on peut vous envoyer de l'argent sur votre carte technologique. Merci, Monsieur Khaled. Bah, Voilà un petit aperçu sur. j'ai oublié de mentionner que Monsieur Khaled est un chef d'agence d'une banque en Tunisie. Donc voilà, on a eu la bonne source d'information. Merci, Monsieur Khaled, pour cette explication. J'espère que Merci. c'est clair pour toi, Haïfa, pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Khaled. De rien, Haïfa. Merci. Bah, Michel, s'il vous plaît, bonjour. bah, oui, on peut commencer la présentation parce que J'ai là, une oui. question vous faire avant de commencer. C'est par rapport au jeu de paris, s'il On vous entend pas, désolé. plaît. Vous m'entendez là? Oui. D'accord. Donc j'ai une question par rapport au jeu de données. Comment on les prépare et c'est quoi le terme justement? Bah pour cette question, pardon, pour cette question, on peut en discuter après la formation si tu veux m'envoyer un message sur LinkedIn. Ah d'accord, ok, ça marche. Parce que là, on doit commencer. Désolé, je suis vraiment désolé, Ok. mais on doit commencer. On est Pas de déjà souci. trop en retard. Pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup. Merci, Alain. Monsieur Riyad, je vous donne la main pour commencer. Très bien, merci. Bon, j'espère que l'enregistrement fonctionne correctement. OK. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ok, parfait. Donc on commence. Du coup aujourd'hui, donc comme c'était voilà, c'était dit, c'est le cinquième chapitre du syllabus, enfin de la formation STQB niveau fondation.
Donc, je commence par me présenter rapidement. Donc, voilà, je suis Riyad Abid. Aujourd'hui, je suis lead manager et formateur ISTQB. Donc, j'interviens chez certains clients en France depuis maintenant à peu près 13 ans. Et en même temps, voilà, j'interviens en tant que formateur ISTQB. Je suis ingénieur de formation, ingénieur informatique, diplômé de lycée Paris en 2010. Voilà, j'ai 13 ans d'expérience dans divers secteurs. En fait, je travaille dans divers secteurs comme les assurances, les secteurs publics, la grande distribution et quelques autres secteurs. Et je suis certifié ISTQB, niveau fondation, testeur agile et les deux niveaux avancés, testeur technique agile et test manager. Ainsi que deux petites certifications, TSM1 et Python. Voilà, j'ai mis le même en mail, si besoin de me contacter, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Donc pour ce chapitre, pour le cinquième chapitre aujourd'hui, il y a cinq sous-chapitres, qui sont la planification des tests, la gestion des tests, le pilotage, le contrôle et la clôture des tests, la gestion de configuration et la gestion des défauts. Le sous-chapitre planification des tests, on verra tout ce qui est objet et contenu d'un plan de test. Comment un testeur peut aussi contribuer à la planification des itérations et des releases. Donc essentiellement, comme là, on parle des cycles de développement itératif, donc comme des cycles agiles. On parlera un peu des critères d'entrée et des critères de sortie. C'est quoi la différence? Et quelques exemples de critères d'entrée et critères de sortie. Les techniques d'estimation. Donc aujourd'hui, essentiellement dans les mondes agiles, les testeurs sont amenés à estimer l'effort de test. Donc, quelles techniques on peut utiliser pour faire l'estimation. Aussi, la priorisation des cas de test. Comment on les priorise? Sur quelle base? Et quelles sont les différentes techniques de priorisation des tests? Et aussi, la pyramide des tests et les quadrants des tests. Donc, ces deux. Je vais dire un paragraphe, ces deux paragraphes ou ces deux sous-chapitres, ils ne sont pas dans le syllabus 2018, par exemple. En fait, c'est une nouveauté dans le syllabus 2023. Le deuxième, sous-chapitre, c'est la gestion des risques. Donc, on verra c'est quoi un risque et c'est quoi les attributs d'un risque. C'est quoi aussi la différence entre un risque projet et un risque produit. Comment on analyse les risques et comment on contrôle les risques produits. Ensuite, c'est le pilotage, contrôle et clôture des tests. Donc, on verra quelles sont les métriques qu'on peut utiliser pour les tests, les différentes métriques. Il y a des métriques projet, il y a des métriques qualité, il y a des métriques de risque, etc. Donc, il y a différence, il y a pas mal de métriques. Les rapports de tests, donc le contenu d'un rapport de test. Et les destinataires des rapports de test et les types des rapports qu'on peut avoir dans les activités de test. Et ensuite, la communication de l'avancement des tests. Comment on communique et quels sont les différents moyens de communication aux différentes parties prenantes. Pour finir avec la gestion de configuration et la gestion des défauts. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, à les poser. Donc, on commence par la planification des tests. Donc, comme vous savez, donc la planification dans le processus de test, le processus fondamental de test, c'est la première étape. Donc, le processus qui est composé de différentes étapes ou de différentes phases, qui sont la planification, l'analyse, la conception, l'implémentation, l'exécution et la clôture. Et ces différentes phases, elles se font en parallèle du pilotage et du contrôle. Donc la planification des tests, c'est la première étape, c'est la première activité du processus de test, pendant laquelle on va planifier notre activité. Donc notre activité, que ce soit pour une release, peut-être une itération, ou pour un projet complet de test, et pendant laquelle on va définir un plan de test maître. Donc ce plan de test maître, on va renseigner, on va déterminer pas mal d'attributs liés à la planification pour peut-être toute une disons release.
Ensuite, ce plan de test maître, donc, il peut être implémenté ou il peut être, disons, découpé en, selon les niveaux de test, par exemple. Donc, à partir d'un plan de test maître, on peut définir un plan de test d'intégration pour la phase d'intégration, pour le niveau de test d'intégration. Également, on peut définir un plan de test système pour le niveau de test système et un plan de test d'acceptation. Et donc, dans chacun, donc on définit quels sont les objectifs de cette phase, de ce niveau par exemple, quels sont les objectifs, quels sont les moyens qu'on va utiliser pour faire nos activités de test, les ressources, que ce soit les ressources en termes d'humains ou en termes de peut-être software et de hardware, donc matériel, les délais, comment on va définir les jeux de données, etc. Donc tout ce qui est lié à notre planification. Et donc, ce plan de test, c'est un outil, si vous voulez, de formalisation de la stratégie de test. Donc, à partir d'une stratégie qui définit les niveaux de test et les approches de test, à partir d'une stratégie, on va faire une implémentation de cette stratégie dans un plan. Donc, généralement, une stratégie, on la définit par exemple pour un projet entier. Donc, pour ce projet sur lequel on travaille, voici notre stratégie, comment on va travailler, comment on va tester, quelle est notre approche. Donc, peut-être vous avez vu déjà qu'il y a différentes approches de test. En fait, on a les approches, par exemple, analytiques, des approches anti-régression, une approche consultative, des approches méthodiques, etc. Donc, il y a pas mal d'approches de test. Et à partir de cette stratégie, donc, on fait une implémentation au niveau, par exemple, de release, au niveau, itération, ainsi de suite. Donc, c'est un outil de formalisation de la stratégie. Et donc, dans ce plan, quand on décrit un plan de test, on décrit des activités, mais ces activités, en fait, elles peuvent être influencées par pas mal de facteurs. Donc, par exemple, la politique et la stratégie de test. Dépendamment, en fait, de la politique de l'entreprise et de la stratégie qui a été adoptée pour faire les tests sur un projet, notre plan ne sera pas pareil. Donc, si, par exemple, sur un projet, on fait une stratégie analytique, donc à partir des user stories, on va faire de l'analyse de ces user stories. Voilà, donc on adopte une stratégie analytique. Alors que sur un autre projet, on fait une stratégie consultative où on va recueillir les cas de test à faire à partir des parties prenantes, par exemple, c'est le métier qui nous fournit ça. Donc, cette différence fait que notre plan et notre activité ne sera pas pareil. Donc, le plan de test, enfin, la politique et la stratégie de test, elle peut influencer les activités de test durant un projet. Également, le cycle de vie du développement. Donc, si on développe en cycle en V ou si on développe en cascade ou en mode agile, c'est pas la même intervention des testeurs, c'est pas le même niveau d'implication, et c'est pas, en fait, on n'intervient pas au même moment. Et donc, on ne peut pas planifier nos activités de la même manière. Par exemple, en cascade, on n'intervient qu'à la fin. Mais vraiment, à la fin, il y a pratiquement d'intervention des testeurs au début du cycle de vie. On est à la fin, on reçoit un développement, on a peut-être des spécifications, on va travailler dessus. Alors qu'en agilité, on intervient dès le début pour l'analyse des exigences. Donc voilà, donc l'activité ne sera pas pareille. Donc, le cycle de vie influence le plan de test. Le troisième facteur, c'est l'étendue des tests. Donc, plus on va dans les tests, plus on va dans les détails et en profondeur, plus la planification doit être plus rigoureuse et plus détaillée, si vous voulez. Les objectifs également. Donc, si on travaille sur deux projets différents, le premier projet, notre objectif, c'est d'automatiser à 80% nos tests. Alors que sur le deuxième projet, notre objectif, c'est d'atteindre un niveau de confiance déterminé. Donc, par exemple, aucun risque de niveau élevé ou de niveau très élevé ne présente de cas non passants. Donc, en fonction des objectifs du test sur un projet, on va planifier différemment. Donc, ça rejoint les risques dont j'ai parlé. Les produits d'activité attendus pendant nos activités de test influencent également la planification. Donc, je vous donne des exemples. En agilité, c'est pas comme en cycle en V. En cycle en V, par exemple, la documentation, elle est, disons, très présente. En fait, on donne
beaucoup d'importance à la documentation, au niveau des détails de la documentation, alors qu'en agile, là, quand je parle de la documentation, par exemple, les cas de test, les PV de test, etc. Donc voilà, toute cette documentation, elle a de l'importance, elle est présente, elle est détaillée. Alors qu'en agilité, on donne moins d'importance à la documentation, mais on donne plus d'importance à la qualité elle-même, à la qualité du produit. Et vu que c'est en itération un peu courte, donc on n'a pas le temps d'aller dans les détails sur la documentation, ou sur les, voilà, donc les produits d'activité attendus. Et donc, cette différence influence également la planification des tests, comment on va planifier nos tests. Le facteur suivant, c'est la disponibilité des ressources, que ce soit des ressources de l'humain, du logiciel ou du matériel. Donc, en fonction de la disponibilité, si on a tout le dispositif en place, donc tous les testeurs en place, tout le matériel nécessaire, tous les logiciels nécessaires, donc ça va peut-être faciliter la planification de nos activités. Mais si on a des problèmes, on a un turnover assez élevé, on a du mal à trouver des ressources, enfin, du logiciel par exemple, où on travaille sur des devices mobiles, mais on n'a pas ces devices-là, on n'a pas du matériel. Donc ça va influencer également la planification. Et les trois facteurs derniers, c'est la testabilité. Donc, si nos exigences ne sont pas testables ou sont difficilement testables, donc ça influence notre manière de planifier. La criticité également. En fait, je travaille pas sur, je teste pas, par exemple, un logiciel bureautique comme je teste un pilote automatique d'un avion. Donc, c'est pas la même criticité, c'est pas le même impact en cas de problème ou d'incident. Donc, un pilote automatique, ça peut amener à un accident, à des pertes humaines, alors qu'un logiciel bureautique, en fait, à la limite, marche pas. Voilà, il marche pas. Donc, c'est la criticité du produit lui-même influence la planification et la rigueur dans la planification. Et un dernier facteur, c'est les contraintes. Donc les délais, les coûts. Plus on a du temps, plus on a de l'argent, plus on peut planifier. Moins on a de l'argent, moins on a du temps. Donc plus la planification, elle va être un peu serrée. Et il faut peut-être passer à côté de quelques éléments ou voilà. Donc serrer un peu le planning. Donc, le plan de test, si vous voulez, généralement, il est initialisé assez tôt. Donc, c'est pendant la première phase du processus. Donc, à partir de ce moment-là, on fait une planification. Mais le plan de test n'est pas figé dans le temps. Il peut évoluer, il peut être modifié, il peut être adapté. Et donc, il peut être enrichi plus tard au cours du projet. Donc, il peut être, par exemple, enrichi ou modifié en cas de dérive. Donc, on se rend compte, par exemple, plus tard dans le projet, qu'on a des dérives par rapport à ce qui était planifié. Donc, on a estimé je ne sais pas, qu'on finisse une première phase de test d'ici 3 mois, alors que d'ici 3 mois, l'objet de test n'a même pas été livré. Donc, on va prendre du retard et à ce moment-là, donc, il faut adapter un peu le plan. Comment on va gérer cette dérive? Quels sont les moyens qu'on va mettre en place? Quels sont les moyens de contournement, les solutions de contournement qu'on va mettre en place pour remédier à ces dérives? Et donc voilà, le plan, il peut être enrichi en fonction de l'évolution des risques, en fonction de la disponibilité des ressources, en fonction de l'évolution du périmètre et en fonction des décisions et des actions correctrices qui peuvent affecter le planning. Donc, il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de facteurs qui peuvent influencer et qui peuvent faire que le planning change. Et que le plan, enfin, pas que le planning en termes de calendrier, mais le plan lui-même change au cours du projet. Donc, on a vu un peu donc le plan test. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans un plan de test? Quand on définit un plan, quels sont les éléments qui généralement constituent un plan de test? En fait, la liste n'est pas exhaustive. Ce sont des exemples d'éléments importants qui doivent apparaître dans un plan de test. Donc, on commence par un périmètre. Donc, quel est le périmètre concerné par notre activité? Par exemple, je peux prendre, enfin, on peut définir un plan pour
des tests fonctionnels. On va tester que les tests, enfin, on va travailler sur, uniquement sur les tests fonctionnels. Et les tests qui sont tests non fonctionnels, on ne va pas les prendre en charge dans notre plan. Par exemple, on ne va pas faire de tests de sécurité, on ne va pas faire de tests de performance ou de compatibilité ou de maintenabilité, etc. Donc, on ne va pas s'intéresser à ces éléments-là. Donc, on détermine le périmètre. Il faut qu'il soit clair et défini. Également, les objectifs. Quels sont nos objectifs pour la phase de test sur laquelle on est en train de faire un plan? Et les risques. Quels sont les risques identifiés? Et peut-être quels sont les moyens de réduire ces risques qui seront en fait utilisés pour, voilà, pour l'atténuation des risques qui ont été identifiés. Le deuxième élément, c'est l'approche générale du test. Donc, comme j'en ai parlé, c'est une application de la stratégie. Quelle approche on va prendre? Peut-être on va faire que de l'anti-régression, donc on va travailler uniquement sur les tests de non-régression, on va les automatiser, peut-être à 100%, à 80%, à 50%, voilà, ça dépend de l'approche et de l'objectif. Également, peut-être on va adopter une stratégie méthodique, donc où qui se base sur une checklist. Donc voilà, une checklist, on a une checklist bien définie. Et pour chaque exigence, pour chaque, disons, user story ou un élément d'une spécification, on va adopter cette stratégie. Donc on va suivre cette checklist et on s'arrête là. Ou peut-être aussi on va faire du test exploratoire. Donc ça dépend de l'approche. Donc on définit l'approche de test et également les niveaux de test, quel niveau on va tester. Peut-être pour la prochaine release, on ne va pas faire du test d'acceptation. Donc, il faut le préciser. Et également les critères d'entrée et de sortie, que ce soit pour chaque niveau ou pour chaque type de test ou par exemple, itération. Donc, quels sont les critères d'entrée d'une phase? Donc, ce sont les prérequis pour démarrer cette phase. Et les critères de sortie qui disent que cette phase, on peut la clôturer ou on peut l'arrêter. En cas de problème. Le troisième élément, c'est il faut quand on définit un plan, il faut penser à comment intégrer et coordonner nos activités de test en tant qu'ingénieur de la qualité avec les activités de développement, que ce soit enfin les activités de développement de manière générale. Donc, ça peut être le développement, ça peut être le déploiement. Ça peut être les spécifications, ainsi de suite. Donc, comment on va coordonner nos activités à nous avec les activités des autres membres de l'équipe, avec les déploiements. Donc, quand est-ce qu'on prévoit de déployer, par exemple, dans l'environnement de test. Et du coup, quand est-ce qu'on démarre nos tests, et ainsi de suite. Donc, intégrer et coordonner ces activités de test dans le cycle de vie du logiciel. Et bien sûr, en fonction du cycle de vie, cette coordination et le moment où on intervient n'est pas le même. Également, donc, l'élément suivant, c'est quand on définit un plan, il faut décider qu'est-ce qu'on teste. Voilà, qu'est-ce qui sera testé? Quels sont les rôles? Donc, qui fait quoi? Par exemple, dans l'équipe, on a des testeurs, on a un test manager, on a un automaticien de test, etc. Donc, qui va faire quoi? Quel est le rôle du testeur? Quel est le rôle de l'automaticien? Quel est le rôle du test manager? Et ainsi de suite. Donc, on définit ces rôles, on définit les paramètres de chacun pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, pour qu'on ne se grignote pas les paramètres. Donc, le testeur ne va pas faire les activités du test manager, le test manager ne va pas se mettre à automatiser les tests, et ainsi de suite. Donc, voilà, on définit qu'est-ce qu'on teste, le rôle de chacun, et quand et comment ces activités vont être exercés. Également, il faut définir comment on va évaluer les résultats de test. Donc, ça rejoint les critères de sortie. Donc, pour une phase donnée, par exemple, pour un niveau de test donné, niveau de test système, par exemple, il faut définir donc, quels sont les critères de sortie de ce niveau. Et donc, comment on se base sur ces critères de sortie pour évaluer les résultats des tests et savoir est-ce que on doit continuer ou on doit arrêter les tests. Par exemple, si on se rend compte qu'après
Je prends un exemple basique. Par exemple, on a 100 cas de test à passer pour un niveau. On se rend compte qu'on a une cinquantaine qui sont défectueux, qui sont KO. Donc à ce moment-là, on peut décider d'arrêter les tests et de sortir de ce niveau-là le temps de corriger. Parce que ça sert à rien, en fait, de continuer si on a 50% déjà de nos tests qui sont défectueux, qui sont KO. Donc voilà. Donc on définit ça, comment on va évaluer ces résultats et quand est-ce qu'on arrête les tests. L'élément suivant qui doit apparaître dans un plan, c'est voilà, c'est les activités de test. Quelles sont les activités qu'on va faire? Par exemple, on va faire de la conception. On va faire de l'implémentation. On va faire la création des jeux de données. On va automatiser des tests. On va produire des rapports de test. On va faire de l'analyse des exigences, par exemple. Donc, voilà, toutes ces activités qu'un testeur peut faire, ils sont généralement à définir. Quelles sont les activités et comment, voilà, la manière dont on va, avec laquelle on va effectuer ces activités. Les métriques également. Donc, dans un plan, il faut définir des métriques pour le pilotage et le contrôle. Et ces métriques, en fait, généralement, ils servent, disons, à deux. Comment dire, en fait, à deux, voilà, populations, si je peux dire, en fait, ils servent pour les parties prenantes, pour les décisionnaires sur le projet, pour avoir une idée de la qualité et du niveau de confiance, et pour prendre des décisions, par exemple, par rapport à un déploiement en production. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ces métriques, elles peuvent nous servir à nous pour estimer l'effort nécessaire, l'effort restant, le niveau de risque résiduel, le niveau de risque donc restant sur le produit. Et donc ça sert à l'équipe et ça sert aussi aux parties prenantes et aux responsables et décisionnaires du projet. Et on verra un peu plus tard dans la présentation donc quels sont les différents types de métriques qu'on peut avoir. Également donc il faut budgéter les activités de test, donc il faut prévoir du budget. Il faut prévoir généralement suffisamment de budget pour atteindre les objectifs. On détermine le niveau de détail de la documentation de test. Là, par exemple, quand je parle de niveau de détail, ça peut être le niveau de détail des cas de test. Est-ce qu'on va faire des cas de test plutôt light, ou voilà, logique, c'est-à-dire sans rentrer trop dans les détails, les étapes, pour voilà, poursuivre les cas de test, etc. Ou on veut plutôt faire des cas tests très détaillés avec tous les jeux de données, toutes les preuves et toutes les informations de ces cas de tests. Donc tout ça, c'est à définir. Ça peut par exemple être influencé par le domaine d'activité. C'est-à-dire si on travaille dans un domaine médical, dans le domaine aéronautique par exemple, qui sont des domaines un peu critiques, que ce soit pour la santé ou pas pour la vie humaine. Donc généralement, la documentation, elle est assez structurée, et assez détaillée. Mais si on travaille dans des domaines plutôt enfin, non critiques pour la santé ou pour la vie humaine, on travaille sur un site de vente de pièces détachées, par exemple. Donc c'est pas critique. Donc la documentation à ce moment-là, elle peut être moins détaillée, moins structurée. Et donc finalement aussi, il faut donc assigner les ressources aux différentes tâches. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Oui, s'il vous plaît. En fait, le test, on va les rédiger exactement, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Allô, vous m'entendez? Oui. En fait, le plan de test est rédigé par qui? Par les chefs de projet, les test leads ou Le même les plan test, testeurs. oui. Le plan test, en fait, généralement, il est initié par un responsable de test, par exemple, d'un test manager ou un test lead.
Donc, il est initié par cette personne-là, il est rédigé par cette personne-là, mais les testeurs, ils peuvent être impliqués. Donc, ils peuvent, par exemple, l'adapter, enfin, le modifier, en concordance, bien sûr, avec la responsable. Donc, ils peuvent apporter des modifications, des ajustements, des enrichissements, etc. Mais normalement, la responsable, enfin, la personne qui est censée initier ce document-là, c'est un responsable de test ou un responsable du produit, en tout cas, quelqu'un qui a de la responsabilité, un test manager, responsable d'une cellule de test, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un rôle plutôt avec des responsabilités, mais les testeurs, donc, qui ont moins de responsabilités de management, disons, ils peuvent intervenir pour apporter leurs idées ou leurs modifications. D'accord, merci. Je vous en prie. Maintenant, en fait, par rapport donc au contenu d'un plan test, il y a la norme. Bon, vous n'êtes pas obligé de connaître le nom de la norme pour l'examen, mais juste à titre informatique, la norme ISO IEC I3E 29119-3 propose un modèle de plan de test. Donc ça, là, c'est un modèle dans lequel vous avez quels sont les éléments qui constituent un plan test. Donc on a l'identification du document, une introduction, des paramètres, les caractéristiques à tester, des caractéristiques qui sont hors test, hors paramètre, l'approche des tests, les critères d'entrée et de sortie, les critères de suspension et de reprise. Donc suspension, en fait, ce sont des critères sur lesquels si on les atteint, on dit qu'on va arrêter temporairement les tests, le temps de faire peut-être des actions correctrices. Et quand ces actions sont faites, on peut reprendre. Les livrables, les détails des tâches, les environnements de test, sur quel environnement on va tester, les responsabilités, les ressources, le planning, les risques et contingences, et les approbations. Donc, qui valide? Qui, par exemple, a la responsabilité de valider, par exemple, la fin d'une étape de test, d'une phase de test, ou tout type de validation imaginable. Donc voilà, c'est un modèle présenté par ou fourni par cette norme. Maintenant, donc, une fois qu'on a fait la planification, le test manager, disons, il a planifié, il a fait de la planification, et les testeurs, ils ont apporté leur aide et leurs idées. Maintenant, quand on travaille dans des modèles itératifs, les testeurs, ils contribuent à la planification également. Donc, que ce soit des planifications des itérations ou des releases. Donc, une release, comme vous le savez, elle peut être faite sur plusieurs itérations. Par exemple, une release qui est censée prendre 3 mois pour produire une version d'un produit. Dans 3 mois, et supposons qu'on a des itérations, donc des sprints d'un mois, donc ça va nous prendre 3 sprints. Donc les testeurs, ils contribuent à la planification des itérations et des releases. Pendant la planification de la release, en fait, quelles sont par exemple les activités qu'on fait? Donc on planifie d'abord la livraison d'un produit. Quand est-ce qu'on va le livrer, notre produit? Qui va le livrer, sur quel environnement on va le livrer, et ainsi de suite. Donc, on planifie tout ce qui tourne autour de la livraison de notre produit. Pendant la planification de la release, il faut aussi définir et affiner le backlog du produit. Donc, on définit les user stories, les épics, on les affine, donc on fait des ajustements, on fait des adaptations pour les affiner, pour les éclaircir, ainsi de suite. Donc, on définit, on affine le backlog du produit, et pas le backlog de l'itération. Et ensuite, on découpe des user stories importantes, ou ce qu'on peut peut-être appeler des épiques, en user stories plus petites et estimables. Donc, si vous avez par exemple travaillé sur des modèles, sur des projets agiles, quand on fait l'estimation, souvent, en tant que si on, par exemple, on prend l'estimation avec la suite de Fibonacci,
Parfois, on estime les user stories à 21 ou à 13 ou plus haut que ça. Donc, ces user stories-là, ils sont assez importantes, ils sont donc difficilement estimables. Et enfin, quand ils atteignent une estimation un peu élevée, il faut les découper parce que elles peuvent prendre beaucoup de temps pour les livrer. Elles seront donc difficilement estimables et donc il est toujours plus facile d'estimer des petites tâches ou des petites user stories, beaucoup plus que les user stories importantes. Donc voilà, on découpe ces user stories importantes en des user stories plus petites et plus estimables. Et donc le testeur, il fait quoi dans tout ça? C'est quoi son rôle? Donc son rôle, c'est d'abord il rédige des user stories testables. Donc là, quand je dis il rédige, ça ne veut pas dire qu'il va remplacer le product owner. Donc, il travaille en binôme, enfin, en proximité avec le product owner pour rédiger des user stories. Il participe à la rédaction. Ce n'est pas un rôle de remplacement. Donc, il participe à la rédaction des user stories testables. Il définit avec le product owner ou avec les équipes, en fonction donc, des équipes, les critères d'acceptance qui sont souvent initiés par le product owner. Mais les testeurs et l'équipe, même l'équipe de développement, elle peut contribuer à la définition des critères d'acceptance. Ils participent à l'analyse des risques, que ce soit les risques produits qualité, donc c'est la même chose, quand on parle d'un risque produit ou un risque qualité, c'est la même chose. Ou les risques projet. Donc les risques projet, ce sont les risques qui impactent le déroulement d'un projet. Et les risques produits, c'est les risques qui peuvent toucher à la qualité d'un produit. Donc, les testeurs, ils participent à l'analyse des risques. Ils font l'estimation de l'effort des tests. Et on verra un peu plus tard qu'il y a plusieurs techniques, si vous voulez, d'estimation de l'effort des tests. Ils définissent et appliquent l'approche de test. Et donc, ils participent à la planification des tests de la release. Là, par exemple, aujourd'hui, on fait, disons, entre guillemets, un kick-off pour une release prochaine qui démarre aujourd'hui, pour 3 mois, pour 6 mois, ou peu importe. Donc, à ce moment-là, le testeur, il démarre toutes ses activités, il planifie les tests, il rédige les user stories, il participe à la rédaction des user stories, il fait l'analyse de risque, il fait l'estimation, etc. Et donc, cette planification de release, de la release, ce qu'on appelle aussi version, c'est une base à l'approche de test, parce que dedans, on va définir l'approche, et c'est aussi une base pour le plan de test, pour les itérations qui vont suivre, qui vont être dans la release sur laquelle on est en train de travailler. En fait, c'est un peu comme un plan de test maître qu'on découpe, enfin, qu'on découpe, qu'on implémente, si je peux dire, sur les différents niveaux de test. Donc là, c'est la même chose. On fait la planification d'une release, mais ensuite, on l'applique à des itérations. Maintenant, au niveau itération, donc c'est à peu près la même chose. On va faire en fait à peu près la même chose. En fait, la planification d'une itération, elle se projette au niveau d'un sprint, d'une seule itération, et elle se préoccupe du backlog de l'itération en question. Là, on n'est pas en train de planifier une release complète, mais juste une itération. Donc, le testeur, il fait à peu près la même chose, en fait, que pour la planification des releases. Il va participer à l'analyse des détails des risques. Donc, vous voyez que la notion des risques, elle est assez présente. Donc, voilà, on participe à l'analyse des détails des risques, des user stories. Donc, à partir de la lecture, la prise de connaissance des exigences, des user stories, des épiques, et ainsi de suite. Les testeurs essaient d'imaginer, enfin, imaginer, essaient de détecter quels sont les risques potentiels. Le testeur également, il détermine si les user stories sont testables. Certains user stories peuvent être non testables. Parce que, pour un exemple simple, cette user story, elle a besoin de jeux de données particulier, spécifique, mais ces jeux de données, on ne peut pas les avoir dans les environnements de test. On les a uniquement en production. Et donc, soit on ne les a pas, ou aussi il est compliqué ou impossible de les créer dans les environnements de test. Et donc,
Si on n'a pas ces éléments-là, ces jeux de données-là, dans nos environnements de test, on ne peut pas tester cette user story. Donc voilà, c'est un exemple. Donc, le testeur, il détermine si une user story, elle est testable. On les découpe en tâches, donc des tâches de test. Donc, quelles sont les tâches qu'on va faire? Donc, on va faire voilà, les tâches classiques, on va faire la conception, on va faire la génération des données. Peut-être il y a des batchs à lancer, il y a des personnes à contacter, etc. Donc, on les découpe en petites tâches. C'est ce qu'on fait généralement en agile. On estime l'effort de test des différentes tâches et on identifie quels sont les aspects et les caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles de l'objet de test. Par exemple, on développe une nouvelle API. On a une user story pour développer une nouvelle API. Cette API sera utilisée, sera appelée par des milliers, voire des millions de personnes. Donc, ça nécessite des tests de performance pour voir comment notre API répond si 5000 personnes l'appellent au même moment. Donc, il faut définir ces aspects et ces caractéristiques fonctionnelles. Comment, bien sûr, quand j'ai le même exemple, comment l'API doit se comporter, quels éléments ou quelles informations elle doit nous retourner, et si on l'appelle avec tel paramètre, comment elle marche, comment elle se comporte, et aussi sa performance. Donc, voilà, ce qui rejoint un aspect non fonctionnel. Donc, tout ça, c'est à définir pour les user stories d'une itération. Donc, le testeur, il est vraiment présent dès le début. Il participe activement à la planification des itérations et de la release de façon générale. Donc, on a parlé des critères d'entrée et des critères de sortie. Donc, ce sont deux éléments à définir dans un plan de test. Donc, ces critères d'entrée et critères de sortie, donc on les définit lors de la planification pour chaque activité du processus de test. Également, on les définit pour chaque niveau. Donc pour le niveau système, quels sont les prérequis pour démarrer le test système? Quelles sont les post-conditions? Qu'est-ce qu'on doit vérifier en sortie pour dire que ce niveau-là, on peut l'arrêter, enfin, on peut le clôturer? Et également, donc, on les définit pour chaque type de test. Vu que les objectifs, en fait, des types de tests ne sont pas les mêmes. Donc, si je fais du test exploratoire, c'est pas les mêmes objectifs que si je fais du test de sécurité. C'est pas les mêmes objectifs que si je fais du test de maintenabilité. Et ainsi de suite. Donc, pour chaque type de test, si on a plusieurs types à faire, ou de façon peut-être plus globale, on a du test fonctionnel, on a du test non fonctionnel. Pour chaque type là, on définit quels sont les critères d'entrée, quand est-ce qu'on démarre, enfin, qu'est-ce qu'on a besoin, quels sont les éléments dont on a besoin pour démarrer les tests fonctionnels, et quels sont les éléments sur lesquels on se base pour sortir de ces tests-là. Et donc, ces critères d'entrée et de sortie, ils sont analysés régulièrement en phase de pilotage et contrôle. Donc, c'est la phase qui se fait en parallèle de toutes les autres activités du processus de test. Donc, on compare ce qui est prévu. Donc, dans le plan, on a défini des critères d'entrée et de sortie, donc c'est prévu, et on les compare par rapport à l'état d'avancement, par rapport à ce qu'on a obtenu. Donc, cette comparaison, ou ce suivi, si vous voulez, de ces critères d'entrée, de sortie, ça ce qu'on appelle un peu le pilotage. Et après, les actions qui peuvent dérouler de ça, qui peuvent en fait être générées si on constate des dérives ou des dérapages, c'est ce qu'on appelle le contrôle. Donc voilà, le contrôle, c'est la mise en place d'actions correctrices pour remédier à une situation inattendue. Pour les notions agiles, en fait, on peut assimiler, si vous voulez, les critères d'entrée et de sortie à la definition of ready et la definition of done. Donc voilà, c'est les notions de prêt et de terminé en agile. Donc je reprends là une définition peut-être un peu plus parlante.
Un critère d'entrée, c'est l'ensemble des conditions et prérequis pour le démarrage d'une activité. Sans ces prérequis, l'activité serait soit plus difficile, soit coûteuse, longue ou risquée. Et les critères de sortie, c'est l'ensemble des conditions pour l'achèvement formel d'une activité. Et bien sûr, il est possible de déroger aux critères de sortie suite à des événements impactant le projet. Par exemple, le client nous fait pression. Supposons que notre critère de sortie pour les tests système, c'est 80% de nos tests sont passants. Un exemple. On arrive et on a prévu de livrer le 31 décembre. On arrive au 31 décembre, on n'a que 70% de nos tests qui sont passants. Mais là, le client il nous fait pression, c'est urgent de livrer. Donc, on peut déroger à ce moment-là aux critères de sortie, voilà, vu la pression par les clients. Peut-être pour satisfaire notre client, en mettant bien sûr en garde enfin, ces éléments-là, en expliquant qu'on n'a pas atteint ces critères-là, on n'a pas atteint en fait le niveau peut-être de confiance attendu, mais on peut sous la pression du client, on peut livrer. Également, si on dépasse les coûts, si on se rend compte à un moment donné qu'on a dépassé de je sais pas, 20% les coûts ou 30% les coûts, qu'on n'a plus d'argent en fait pour avancer sur les tests, ça peut faire que on déroge aux activités ou aux critères de sortie. Et que par exemple, on livre ou on arrête un niveau de test. Voilà, en fait, ce ne sont pas des critères également figés et non modifiables, mais en fait, ils peuvent s'adapter en fonction des situations. Et donc, l'objectif de ces critères, c'est qu'ils donnent la capacité de contrôler efficacement les tests et la qualité du logiciel. Parce que, en fait, quand on parle essentiellement de critères de sortie, ce sont des critères qui permettent d'avoir un certain niveau de confiance dans le produit. Et donc, ces critères-là nous permettent d'avoir ce contrôle sur la qualité. Et ça aide à la décision en se basant sur des indicateurs ou des métriques. Quand démarrer une activité et quand déclarer la fin d'une activité. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vous donne quelques exemples. Donc, quelques exemples de critères d'entrée et quelques exemples de critères de sortie. Par exemple, pour la phase d'exécution des tests. On a, voilà, quelques critères, exemples de critères d'entrée classiques, si vous voulez. Donc le premier, c'est la préparation et la disponibilité de l'environnement de test. Si on n'a pas d'environnement disponible, on ne peut pas démarrer l'exécution. Le deuxième, c'est la disponibilité et la livraison des données de test, donc ce qu'on appelle les jeux de données. Si on appelle les jeux de données demandés ou nécessaires, on ne peut pas faire l'exécution. Les outils également. Donc si on attend enfin, pour l'exécution à tracer, enfin, juste, à exécuter sur un outil en particulier, sur Postman, sur Selenium ou sur X-Ray ou peu importe, sur un outil, mais on n'a pas ces outils-là, on ne peut pas faire l'exécution. Bien évidemment, l'objet de test, il faut qu'il soit déployé. La date de démarrage, il faut qu'elle soit atteinte, si on a des jalons, si on a des dates de démarrage bien définies sur un projet. Les ressources, elles doivent être disponibles. Donc, les testeurs, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'on ait de l'argent, du temps, peut-être du matériel, donc voilà, tout les ressources dont on a besoin, il faut qu'elles soient disponibles pour exécuter nos tests. Et aussi, les smoke tests, il faut qu'ils soient passés avec succès. Donc les smoke tests, voilà, ce sont les tests de base. En fait, que si ces tests-là ne sont pas passants, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si on veut tester un site web et que en lançant le site web, on a une erreur 500. Pas besoin d'aller plus loin dans nos tests. Voilà, c'est ce qu'on appelle les smoke tests. Ce sont vraiment les tests de base les plus essentiels. Que si eux, ils ne marchent pas, il n'y a pas besoin de continuer.
Et maintenant, quelques exemples de sortie, enfin, des critères de sortie. Donc, comme j'en ai dit, les critères de sortie, ça peut être soit pour arrêter une étape en disant qu'on est satisfait, que les résultats sont satisfaisants pour nous. Mais également, ça peut être des critères qui nous obligent, enfin, des critères sur lesquels on se base pour arrêter suite à un niveau de confiance dégradé. Par exemple, 50% de nos tests sont KO. Donc, des mesures d'exhaustivité, comme le niveau de couverture atteint, le nombre de défauts non résolus, la densité des défauts. Si on a une densité assez élevée dans l'objet, enfin, sur l'objet des tests sur lequel on est en train de travailler, peut-être il n'y a pas besoin de continuer. Donc, il faut s'arrêter. Si on a un nombre de cas de tests en échec, le nombre, en fait, nombre élevé de cas de tests en échec, pareil, ça peut être un critère de sortie. Un taux anormal de défauts majeurs. Si on détecte une vingtaine de défauts, parmi lesquels 15 sont majeurs, je pense qu'il faut à ce moment-là peut-être prévoir une correction, prévoir un nouveau déploiement ou voilà, des actions avant de continuer les tests. Par contre, si 100% des exigences de priorité importantes et hautes sont couvertes par des résultats satisfaisants, voilà, c'est un critère de sortie. On est satisfait, on a un niveau de confiance assez élevé. Si tous nos tests de régression sont automatisés, donc ça peut être aussi un critère de sortie. On sort d'une étape ou d'une activité de test, comptant si tous les tests de régression sont automatisés. Le risque résiduel peut être élevé. Donc, si on a un risque élevé, on peut arrêter. Si on a un fort taux de régression, également, on peut arrêter, besoin de corriger. Si on n'a pas le temps, si on n'a plus le temps, donc l'épuisement du temps, c'est aussi, ça peut être malheureusement un critère de sortie, mais au détriment de la qualité souvent. Et le dépassement de coûts et de budget. Pour les deux derniers, généralement, c'est voilà, on arrête les tests parce qu'on a soit plus le temps, soit plus l'argent, ou voilà, les ressources. Mais souvent, ça impacte en fait la qualité parce qu'on est obligé, entre autres, à arrêter les tests, à accepter un niveau enfin, de qualité qui peut être non vraiment satisfaisant, mais malheureusement, on ne peut plus continuer parce qu'on n'a pas les ressources. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça vous paraît clair jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. Oui? Est-ce qu'il y a une possibilité de définir les critères de sortie dans toute l'automatisation des tests? Par exemple, si on dit si seulement deux cas de tests sont échecs, les tests doivent continuer dans toute l'automatisation. Oui, en fait, oui, tout à fait. Pour l'automatisation, pareil, on peut définir des critères de sortie. Si on a une batterie de tests, je ne sais pas, de 204 tests automatisés, on peut par exemple dire en fait si 30% ou 40% ou je ne sais pas, ou les tests les plus impactants, enfin qui couvrent des risques plus importants, sont KO, sont pas satisfaisants, ça peut être aussi un critère de sortie. Parce qu'on peut pas accepter si voilà. Disons, en fait, on a 200 cas de tests de régression, parmi lesquels on a une cinquantaine qui couvrent des risques ou des zones du produit qui sont les plus critiques. Et que 40 parmi ces 50, ils sont KO, ils ne sont pas concluants. Donc voilà, c'est un critère de sortie. On peut pas continuer, on ne peut pas livrer un produit avec un taux de régression assez élevé. OK. Oui, je vois qu'il y a Raoula et Julie. Oui, Julie. Allô? Ou Raoula, je pense que je vois que vous avez levé la main. Moi, oui, excuse-moi, en fait, j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas si vous avez expliqué la notion du mot smoke test. Oui. Vous voulez dire quoi, s'il vous plaît, par smoke Oui. test?
passé avec succès. Smoke test, en fait, en français, je pense que c'est les tests de fumée, quelque chose comme ça. En gros, ce sont les tests de base. Que si ces tests-là ne marchent pas, ne sont pas satisfaisants, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais donner un exemple. Si on travaille sur un site web et quand on lance le site web, l'URL du site web, on a une erreur 500, pas besoin de continuer. Ou si on travaille sur une application ou un produit sur lequel il faut créer un compte, après se connecter et faire des achats. Si la création de compte, déjà, elle est défectueuse, ne marche pas, pas besoin de continuer. En fait, ce sont voilà, les tests de base, en fait, qui couvrent les fonctionnalités de base, mais les plus importantes. Si ces tests-là ne sont pas passants, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En fait, c'est ça ce qu'on appelle les smoke tests. Je pense à la base, en fait, la définition, elle vient des voitures, quelque chose comme ça. En fait, si la voiture, vous démarrez une voiture, vous avez de la fumée, voilà, il faut arrêter. Je pense à la base, ça vient de là. C'est ça ce qu'on appelle les smoke, en fait, c'est la fumée. Donc voilà, si on a de la fumée, donc ça veut dire, si on applique ça au produit logiciel, si on a enfin, la fumée entre guillemets, donc si on a des tests, des fonctionnalités les plus importantes ne marchent pas, donc comme un moteur d'une voiture, vous avez de la fumée sur le moteur, il n'y a pas besoin de continuer. Donc il faut s'arrêter, le temps de corriger pour après peut-être reprendre les tests. C'est ça ce qu'on appelle les smoke tests. D'accord, merci. J'en prie. Youssef. Les smoke tests sont aussi automatisés dans toute l'automatisation. Oui, ils peuvent Ou être bien ça se automatisés. passe. En fait, les smoke tests, généralement, par exemple, on peut les utiliser comment ça s'appelle? Le CI/CD, en fait, l'intégration continue et le déploiement continu. Donc, ils sont OK. automatisés. Enfin, c'est pas que les smoke tests, mais on peut avoir aussi d'autres tests de régression. Mais quand on déploie, par exemple, en production, ces tests, ils sont lancés automatiquement. Et si ces tests, ils sont KO, donc, il n'y a pas besoin peut-être de continuer le déploiement en production. Donc, évidemment, ils peuvent. C'est eux généralement les candidats à l'automatisation avant le reste. D'accord. Donc maintenant, on a parlé. Donc on a vu que les testeurs ils sont impliqués à l'estimation des tests, de l'effort de test. Pour l'estimation, en fait, l'estimation de l'effort de test, on essaie en fait de prévoir la charge de travail qui est nécessaire pour accomplir nos activités de test, pardon, et pour atteindre un niveau un objectif d'un projet de test. Donc, combien de temps peut-être ou d'efforts ça va nous prendre? Pour atteindre tel objectif. C'est ce qu'on fait souvent l'agilité, que ce soit avec les worker planning, donc par exemple avec les suites de Fibonacci ou ce qu'on appelle les tailles des t-shirts, etc. ou en jours. On peut les définir en jours. Ça va me prendre 5 jours, ça va me prendre 2 semaines, ça va me prendre une demi-journée, etc. En fait, l'estimation, généralement, elle est faite tôt dans le projet. C'est une estimation globale du projet, mais aussi ça peut être une estimation par itération, par niveau. Donc voilà. En fait, l'estimation, elle sert à évaluer la faisabilité pour savoir si, par exemple, je prends l'exemple d'un sprint en agile, on a un sprint de 3 semaines, notre vélocité c'est de 30 points. Si on est en train de faire un sprint planning, on fait une estimation, on se trouve avec des US à 40 points. Donc ça nous permet de savoir si le scope prévu il est faisable ou non pendant ce sprint. Donc voilà, ça nous sert à évaluer la faisabilité en termes de tests, peut-être aussi de développement, en termes de coûts, en termes de délais et de ressources. Donc au départ, elle peut être un peu grossière. Elle peut être un peu peut-être pas très affinée, donc pas très détaillée, mais avec le temps, on peut l'affiner plus que ça.
Aussi, en fait, ce qui est important, c'est que quand on parle avec des parties prenantes ou on parle avec des responsables, il faut toujours qu'il ait en tête que l'estimation, c'est jamais, c'est jamais correct. Elle n'est jamais 100% exacte. Donc, elle est toujours candidate à l'erreur. Ça reste une estimation. Elle n'est pas fiable à 100%. Et donc, c'est pourquoi souvent, on a des parties prenantes, on a des responsables dans les équipes. Le testeur, par exemple, estime la fin de test dans une semaine. Après une semaine, il se trouve à avoir fait que 50% des tests. Pourquoi? Parce qu'il a eu des problèmes de génération de jeux de données, parce qu'un outil ne marche pas, parce que l'environnement il était KO, l'environnement de test il était KO, parce qu'une partie prenante ne répond pas. Donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent en fait impacter cette estimation. On fait une estimation, mais derrière, il y a pas mal d'éléments qui nous bloquent. Mais certains responsables, certaines parties prenantes, parfois, voilà, ils se basent sur cette estimation. Non, vous avez estimé à une semaine, donc on attend qu'à une semaine, vous avez tout terminé. Donc, il faut toujours leur expliquer, il faut qu'ils gardent en tête que c'est une estimation, c'est pas fiable. Mais aussi, il ne faut pas prendre ça comme une excuse de gonfler les estimations. Parce que c'est ce que font souvent, malheureusement, certaines personnes. Une tâche qui prend une demi-journée, elle l'estime à 5 ou à 3, juste pour prendre une marge qui n'est pas ajustée. Et donc, quand on fait l'estimation, il est aussi souvent, ou même toujours, plus facile d'estimer des tâches petites, des petites tâches. Donc, c'est humain, voilà, c'est plus facile pour nous d'estimer des tâches plus petites que d'estimer des grandes tâches. C'est pour ça qu'il faut découper les tâches, les user stories, ainsi de suite. Des petites tâches plus facilement estimables. Et donc, le syllabus de l'ISTQB définit quatre techniques d'estimation. Ce sont les quatre, peut-être les plus courantes. L'estimation basée sur les ratios ou les métriques, l'extrapolation, la Delphi à large bande et l'estimation en trois points. Les deux premières, ce sont des techniques basées sur des métriques. On a des chiffres sur lesquels on se base. Et les deux dernières, elles se basent sur l'expertise et l'expérience de l'équipe ou des gens qui estiment. Donc, les deux premières, on se base sur des métriques. Les deux dernières, on se base sur de l'expérience. Donc, pour la première, l'estimation basée sur des ratios. Donc, c'est une technique basée sur des métriques de projets antérieurs similaires au sein de l'organisation. Ça veut dire qu'on travaille chez une entreprise, on est en train de travailler sur un nouveau projet, et ce nouveau projet est similaire en termes de quelques éléments par rapport à un projet antérieur sur lequel d'autres équipes peut-être ont travaillé. Donc, on peut se baser sur ces similitudes et sur certains éléments pour faire l'estimation. Par exemple, si l'équipe a prévu, elle a terminé, je ne sais pas, une phase de test ou elle a terminé le produit ou peu importe, en 2 ans ou trois mois ou une semaine. Donc, on peut se baser sur ça pour faire l'estimation qui nous concerne. Et donc, cette similitude, elle peut être, si vous voulez, jugée ou déterminée en fonction de certains critères. Par exemple, on a des critères ou des caractéristiques de similitude au niveau du projet. Par exemple, on a le même niveau de turnover dans l'équipe. Les équipes ne sont pas stables, ou plutôt les équipes elles sont stables, et donc ça aide à rapprocher les deux projets. Donc, notre projet il est similaire à l'autre en termes de turnover. Également en termes de durée. Pas faire une estimation sur un projet qui prend un mois en se basant sur un projet qui a pris 5 ans. Donc, en termes de durée, en termes de niveau d'expérience des membres de l'équipe, sur le premier, si on avait des personnes plutôt débutantes, des développeurs ou des testeurs, ou voilà, peu importe, mais en tout cas des membres débutants. Sur le deuxième, on a des personnes assez expérimentées qui ont 10, 15 ans ou 20 ans d'expérience. C'est pas le même niveau d'expérience, c'est pas peut-être aussi les mêmes compétences. Donc, voilà, il n'y a pas de similitude à ce moment-là. Pareil
la maturité du cycle de développement, les délais, et la disponibilité et la connaissance ou la maîtrise des outils. Donc, si on travaille sur deux projets qui utilisent à peu près les mêmes outils et qu'on a les mêmes niveaux de maîtrise ou de connaissance de ces outils-là et les mêmes caractéristiques, enfin, même et la disponibilité des outils, donc, c'est un critère de rapprochement des similitudes entre les deux projets qui nous permettent de faire une estimation en se basant sur les projets antérieurs. Également, donc ça c'est le premier point, les caractéristiques du projet. Le deuxième, c'est les caractéristiques du produit. Donc si on a la même qualité de la base de test, donc la base de test, pour rappel, c'est ça peut être les exigences, les user stories, les spécifications, les documents d'architecture, et toutes, voilà, toutes sortes de documentation sur lesquelles on se base pour générer nos tests. Pour résumer, je peux appeler ça les spécifications. Donc voilà, c'est la base de test. Si on a la même donc, qualité de la base de test, c'est un critère de rapprochement et de la documentation de façon générale. Également le domaine applicatif du produit ou le domaine métier, ça veut dire si on travaille sur deux projets, le premier c'est une application bancaire, le deuxième c'est une application bancaire. C'est un moyen de rapprochement ou un critère de similitude. Mais si le premier, c'est une application bancaire et le deuxième, c'est un site de rencontre, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas, il n'y a pas de similitude au niveau du produit. Également, donc, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles et la criticité de l'application. Donc, c'est pas, comme je l'ai dit, on ne travaille pas sur une application bureautique comme sur une application, par exemple, utilisée dans les hôpitaux. C'est pas la même criticité. Le critère de similitude, enfin, le troisième, c'est les résultats des tests. Donc, la densité et le type des défauts. Si on constate, par exemple, qu'on a à peu près la même densité, le même type de défauts qu'on rencontre sur un autre projet, qui était en fait pratiquement les mêmes sur des projets antérieurs, ça peut être un critère de rapprochement au niveau des tests et ça nous aide à se baser sur les métriques disons d'un projet pour estimer le niveau de couverture, également le niveau de détail des produits, des activités des tests. C'est-à-dire, si on nous demande de produire sur notre nouveau projet des cas de tests assez développés, assez détaillés, avec les jeux de données, les preuves de tests, les étapes, ainsi de suite, alors que sur le premier, c'était juste un petit titre avec un jeu de données. Ça ne demande pas le même effort, c'est pas la même charge de travail, donc on ne peut pas se baser sur cet élément pour faire une estimation. Et enfin, donc le quatrième, ce sont les données historiques du produit. C'est-à-dire si on est en train de développer une nouvelle version de notre produit, donc on peut se baser sur l'historique de notre produit, par exemple des résultats de test, des métriques sur les défauts, les temps, l'effort de test qui a été nécessaire sur les anciennes versions pour faire l'estimation sur de nouvelles versions de nos produits. Et donc, en Agile, par exemple, on peut se baser sur ou se servir des burn-down charts pour la collecte des métriques. Donc, le burn-down chart, c'est un graphe. En abscisse, donc sur les lignes horizontales, on a la durée d'un sprint, par exemple c'est 3 semaines, et en ordonnée, donc la ligne verticale, vous avez comment dire, la vélocité, en fait le nombre de points du sprint par exemple. Et donc la ligne rouge, c'est une ligne enfin, linéaire, donc qui descend de façon linéaire, en fait, au jour 0, donc on commence avec par exemple 80 points de complexité, et plus on va faire les 3 semaines, donc à 15 jours, on atteint logiquement, enfin théoriquement, 0, 0 point, c'est-à-dire voilà, c'est une ligne droite qui définit la descente en fait de la quantité de travail restante avec le temps, et la ligne bleue, donc c'est l'avancement réel du projet.
Donc, on peut se baser sur ça pour voilà, faire des estimations pour les prochaines itérations, par exemple, ou le prochain release. Donc, ça, c'est la première technique qui est basée sur les métriques. La deuxième, bon, qui ressemble un peu, c'est l'extrapolation. Également, c'est une technique basée sur des métriques. Pour peut-être résumer un peu l'extrapolation, c'est en se basant sur des données, enfin sur des métriques, par exemple. Je prends un exemple simple. On a travaillé sur un projet agile. Sur les trois premiers sprints, on a eu des estimations, peut-être on a calculé en fait l'effort qui a été nécessaire. Donc à partir du quatrième, cinquième, etc., on peut faire par exemple la moyenne des trois derniers. Ça nous donne une idée d'estimation. Donc cette technique, elle consiste à l'évaluation d'un échantillon des estimations faites tôt dans le projet. Donc on se base sur les données, sur des estimations, les premières estimations du projet pour les extrapoler sur les prochaines itérations, par exemple. Donc voilà, le résultat est extrapolé à l'échelle des itérations suivantes. Au démarrage du projet, on effectue des métriques qui nous donnera du coup des données qui sont exploitables plus tard. Donc, par exemple, les trois premiers sprints, on fait des estimations. Après, on a des chiffres réels, donc on sait à peu près quelle est la vélocité ou l'estimation ou l'effort qui a été nécessaire. En se basant sur ça, on peut extrapoler sur les prochains sprints ou itérations. Et généralement, en fait, cette technique, elle applique un modèle mathématique. Après, ça dépend des projets, mais généralement, en fait, il y a un modèle mathématique derrière, il y a une équation, entre guillemets, qui sert au calcul ou à l'estimation pour les prochaines phases du projet. Donc voilà, dans l'extrapolation, on va pas, c'est pas comme la première technique, on ne va pas se baser sur des projets similaires, mais sur notre même projet, sur le début, pour appliquer un modèle mathématique qui nous aidera à faire l'estimation pour les prochaines itérations, les prochaines releases, et ainsi de suite. Donc là, ce sont les deux premières techniques basées sur les métriques. La troisième, c'est une technique basée sur l'expérience. Il n'y a pas vraiment de métrique. Ce qu'on appelle la Delphi à large bande, ou en anglais, c'est le Wide Band Delphi. Donc c'est une technique itérative. On se base pour cette technique sur l'estimation des experts ou les responsables des tâches. En gros, en fait, les experts, les responsables, chacun fait une estimation et une évaluation isolée. Donc, chaque expert, il fait sa propre évaluation et estimation. Ensuite, il y a une réunion. En fait, on collecte ces résultats, les évaluations des experts. Et on regarde si ces estimations ils sont à peu près similaires, bah, tant mieux, très bien. Mais s'il y a des écarts qui dépassent certaines limites convenues, si par exemple un expert il estime, si je le prends par exemple sur le niveau du NUS, un expert il estime à 5 points de complexité alors que l'autre il estime à 21. Donc là ça dépasse un peu peut-être les limites, en fait l'écart il est important. Et donc ça nécessite des discussions. Ça nécessite une réévaluation d'une manière isolée, donc chaque expert il fait seul, pour ensuite voilà, se réunir, rediscuter encore une fois, collecter les résultats et voir si on arrive à un consensus. En fait, c'est un processus itératif qui se répète jusqu'à l'atteinte d'un consensus et donc d'un accord peut-être entre les différents experts. Donc peut-être une des applications les plus connues de la Delphi à large bande, c'est le planning poker ou le poker planning en agile. Donc là, c'est une technique d'estimation basée sur le consensus où les différents membres de l'équipe, par exemple les développeurs, les testeurs, ils estiment si
Les estimations sont à peu près les mêmes. Voilà, donc l'estimation a été faite, mais s'il y a des écarts, donc ils font un deuxième tour, un troisième, ainsi de suite, jusqu'à atteindre un consensus, donc un accord entre les membres de l'équipe. Donc c'est ce qu'on appelle la Delphi à large bande. C'est une technique basée sur l'expérience des experts. Il n'y a pas de métrique. Donc moi, j'estime que voilà, ça me prend 5 jours. L'autre, il estime que ça lui prend 6 jours. On est proche. Tant mieux. Mais s'il estime que ça va prendre 2 mois et moi j'estime une semaine, il faut peut-être arriver à un consensus. Et la quatrième et la dernière technique qui a été définie dans Syllabus, c'est l'estimation en 3 points. Également, c'est une technique basée sur l'expertise. Elle est faite par les experts. Quand on parle d'experts, donc enfin, les experts de façon générale, les développeurs, les testeurs, les responsables, ainsi de suite. Donc, c'est une technique dans laquelle on va faire 3 estimations. Ces 3 estimations, elles servent à avoir une estimation finale, mais avec une marge d'erreur. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va faire une estimation la plus optimiste. Par exemple, A, c'est la première, la plus optimiste. On estime que pour développer et tester cette épique, ça prend 3 jours. C'est le plus optimiste. On est vraiment très optimiste. Ensuite, on fait une deuxième estimation, la plus pessimiste. On sait qu'il y a des problèmes, il y aura peut-être des retards, il y a telle personne qui a l'air malade, donc elle peut s'absenter, et ainsi de suite. Donc, on fait une estimation pessimiste. On dit que non, c'est au lieu de 3 jours, ça va prendre 9 jours. Et ensuite, on fait une troisième. C'est l'estimation la plus probable, qui paraît la plus vraiment en fait la plus voilà la plus probable, la plus logique entre guillemets. Donc, on estime non, ça va. On pense peut-être que ça va prendre plutôt 6 jours. Voilà, 3 jours, c'est très optimiste. 9 jours, c'est pessimiste. 6 jours, c'est voilà la plus probable. Et donc à partir de ces 3 estimations, on calcule 2 chiffres. On calcule, enfin la version la plus commune de cette technique, on va calculer l'estimation finale, donc la E, en appliquant cette petite équation. En fait, on va additionner l'estimation la plus optimiste plus 4 fois l'estimation la plus probable, mais honnêtement, pourquoi 4? Je ne sais pas. Plus l'estimation la plus pessimiste, on les divise par 6. Donc 6, je dirais, parce que voilà, il y a 3 coefficients, 1 pour A, 1 pour B et 4 pour M. Ça fait 6. Mais pourquoi 4M? Honnêtement, je ne sais pas. Donc on calcule cette estimation finale. Et aussi, on calcule une marge d'erreur en faisant une soustraction entre l'estimation la plus pessimiste, donc 9 jours. On élimine, enfin, on soustrait l'estimation la plus optimiste, qui est 3 jours, on divise par 6. Donc, par exemple, dans cet exemple, ça va nous donner une estimation finale à 6 jours, avec une marge d'erreur de 1 jour. Ce qui nous donne une estimation finale, entre 5, donc c'est 6 jours, plus ou moins 1 jour. Donc c'est entre 5 et 7 jours. Voilà, donc c'est une petite équation à connaître et qui dépend de trois estimations, la plus optimiste, la plus pessimiste, la plus probable, pour avoir une estimation finale avec une marge d'erreur. Est-ce que vous avez des questions? Oui, en fait, on divise toujours par 6, ou cette fois-ci, car 6, c'est la moyenne. Non, dans le syllabus, c'est comme ça, en fait, c'est par 6. C'est là, en fait, D'accord. il paraît, en fait, qu'il y a, parce que le syllabus, en fait, il parle, si vous voulez, de la version la plus commune. Donc, et oui, il y a d'autres versions, mais c'est la version en fait qui est dans le syllabus de l'ISTQ. Donc c'est A plus 4M plus B divisé par 6. Ça marche, merci.
Donc là, on a vu l'estimation. Maintenant, on va parler un peu de la priorisation des cas de test. Quand on parle de priorisation, on parle également de calendrier d'exécution. Quel test on va exécuter en premier? Comment on va prioriser l'exécution des tests? En fait, une fois qu'on a organisé nos tests en sous-procédure de test, suite de test, etc., il faut définir un calendrier, ce qu'on appelle un calendrier d'exécution. Qu'est-ce qu'on exécute en premier? Sur quelle base on va dire que ce cas de test passe avant l'autre, et ainsi de suite. Donc là, si je reprends la définition du glossaire à la page 26, un calendrier d'exécution des tests, c'est un plan permettant l'exécution des procédures de test. Celles-ci, ils sont inclus dans leur contexte et dans l'ordre de passage. Voilà, il y a un ordre à définir. Qu'est-ce que j'exécute en premier? Et ce calendrier d'exécution, il tient compte de plusieurs facteurs. Des niveaux de priorité. Donc, généralement, on exécute les tests les plus prioritaires, ça en premier. Des dépendances entre les procédures de test. Une procédure de test ou également aussi entre les cas de test. Un cas de test peut dépendre de l'autre. Une procédure peut dépendre de l'autre. Par exemple, voilà, je teste un site où il faut créer un compte pour faire des achats. Mais quand je crée un compte, je reçois un email. Pour tester la réception de l'email, il faut d'abord créer un compte. Donc, il y a une dépendance entre les deux. Je ne peux pas tester la réception d'un email qui me confirme que mon compte a été créé si je ne crée pas un compte. Aussi, il y a des dépendances entre les cas de test ou les procédures de test et les données de test. Je vous donne un exemple, mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Kafka. Kafka, c'est un outil de, disons, des messageries. On reçoit ce qu'on appelle des messages. Donc, il y a, par exemple, une équipe qui produit, qui génère des informations. Ces informations, elles arrivent sur Kafka, sur ce système-là. Et ensuite, il y a une autre équipe, un autre produit qui va consommer ces données-là, sur ces messages-là, depuis Kafka. Dans Kafka, on peut avoir ce qu'on appelle les délais de rétention. Ça veut dire qu'un message, par exemple, j'ai créé un compte, donc ça va m'envoyer un message, disons, avec l'identifiant, le nom, le prénom, l'adresse mail, par exemple, l'adresse, etc. Donc, quelques informations sur le compte. Donc, je les reçois dans Kafka, mais le message, il ne reste que 2 semaines. Au bout de 2 semaines, en fait, ce sont 2 semaines, 2 semaines glissantes. Au bout de 2 semaines, si le message est reçu aujourd'hui, il sera disponible pendant 2 semaines, mais au bout de 2 semaines, il disparaît. Donc, c'est un délai glissant. Donc, ça, c'est un exemple de fraîcheur des données. Donc, voilà. Si je prévois de faire des tests avec des jeux de données, et ces jeux de données, je risque de ne plus les avoir au bout d'une semaine ou 2 semaines, il faut peut-être prioriser ces tests-là pour avoir les données. Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, le calendrier d'exécution aussi tient compte des tests de confirmation. C'est-à-dire des tests quand les développeurs corrigent des anomalies. Donc, il faut ensuite faire des tests de confirmation pour tester les corrections. Donc, ça tient compte aussi de ça. Et ça tient compte également des tests de régression. Donc, les tests de régression, pareil, ils sont priorisés, que ce soit dans le calendrier global ou aussi entre eux. Donc, il y a des tests de régression qui passent avant d'autres. Et pour prioriser donc les quatre tests, pour définir ce calendrier, il y a 3 techniques essentielles. Bon, qui sont relativement simples, si vous voulez. Donc, la première, c'est une priorisation basée sur les risques. Les tests qui couvrent les risques les plus importants, d'abord, passe en premier. Voilà, c'est simple. Le deuxième, ou la deuxième, c'est une priorisation basée sur la couverture. C'est-à-dire les tests
qui couvre un paramètre plus important passe en premier. Si j'ai un test qui me couvre le libellé d'un champ, alors que un autre qui couvre la création d'un compte bancaire, peut-être celui qui couvre la création de compte bancaire doit passer en premier, parce que le périmètre, enfin la couverture est le plus important. Et donc le premier test, il offre la couverture la plus élevée, et les tests suivants sont priorisés par les niveaux de couverture additionnels. C'est-à-dire je schématise un peu, le premier me couvre 10%, le deuxième va me couvrir. Donc, je sais que le premier, j'ai 10% de mon périmètre est découverte. Le deuxième, il va me donner 8%, et 7% ensuite, 6%, ainsi de suite. Donc voilà, les tests sont priorisés par leur niveau de couverture additionnelle. C'est ce qu'on appelle la priorisation de la couverture additionnelle. Et la troisième technique, donc, c'est une priorisation basée sur les exigences. Donc, on exécute les tests couvrant les exigences les plus prioritaires en premier. Donc ici, on a un petit exemple. Donc par exemple, vous travaillez sur un projet où les activités de test suivent une stratégie basée sur les risques. Et les tests, ils sont en cours d'exécution. Donc dans ce tableau, qui montre ou qui présente un rapport d'exécution. On a les identifiants des quatre tests. Donc on a trois tests, trois, quatre tests. On a leurs identifiants. On a le niveau de risque associé à chaque test. On a l'exigence qui est liée au test et le statut d'exécution. Donc, on est en train de faire l'exécution suivant une stratégie de test basée sur les risques. Selon vous, est-ce que l'ordre d'exécution, il est correct? Et qu'est-ce qu'on peut déduire de ce tableau? Si quelqu'un a une idée, peut-être. C'est peut-être correct. Juste voilà, est-ce que c'est correct? Peut-être si oui, donc oui. Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut déduire? Oui, bonjour, je me permets. Vous m'entendez? Parce que tout à l'heure, j'avais un petit problème de micro. Oui, bonjour, Gilles. Alors, Oui, je l'observe. il me semble que dans l'exemple, ils ont choisi une technique de couverture basée sur les niveaux de risque. Et cette stratégie me semble perfectible dans le sens où le deuxième niveau, qui est élevé, est prêt pour l'exécution, il n'a pas encore été exécuté, qui sont déjà passés au troisième niveau. Donc, à mon sens, le deuxième niveau doit être joué avant le troisième qui est en succès. Et d'ailleurs, on ne devrait même pas passer au deuxième niveau avant que le premier niveau soit en succès. Donc, voilà. Oui, ça c'est en théorie. Oui, en fait, on devrait faire le premier d'abord, le deuxième ensuite, et le troisième en dernier lieu. Mais supposons que voilà, c'est, on peut peut-être, enfin peut-être on a vraiment suivi la stratégie, mais selon ce tableau, il y a une raison peut-être. Selon vous, est-ce qu'il y a une raison qui fait que l'état d'exécution des trois tests avec leur niveau de risque associé soit tel qu'il est dans le tableau. Je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, en théorie, enfin, normalement, si on suit une technique basée sur le risque, c'est vrai, on doit faire le premier, donc, qui a un niveau de risque très élevé, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Mais peut-être il y a une raison qui a fait que aujourd'hui en fait on a
on a ce statut d'exécution des trois tests. Il y a une raison peut-être qui a fait que le troisième a été exécuté alors que le deuxième, qui a un niveau de risque très bas, alors que le deuxième, qui a un niveau de risque élevé, il n'a pas encore été exécuté. Peut-être il y a une raison qui explique. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui. Vous m'entendez? Oui. En fait, moi, je pense parce que premier test, deuxième, tant qu'ils ont les mêmes idées de l'exigence, et tant que la première test elle est en KO, on ne peut pas faire le deuxième aussi. Du coup, on a passé au troisième, qui est un idée de l'exigence différent. Bon, peut-être les deux premiers sont liés à la même exigence, mais rien n'empêche de faire le deuxième, même si le premier est KO. Peut-être pour avancer un peu. Donc, une explication simple de ce constat, c'est que le premier, par exemple, test, dépend du troisième. On ne peut pas l'exécuter tant que le troisième n'est pas fait. C'est une explication. C'est pour ça, en fait. Mais ça ne peut pas être l'inverse. Parce que le troisième, il est en succès. Il y a peut-être donc ça peut expliquer, il y a une dépendance. En fait, le premier, qui a un niveau de risque très élevé, il dépend du troisième. On ne peut pas l'exécuter tant que le troisième n'est pas fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait le premier. Ensuite, on a fait enfin, le troisième, qui est en succès. Après, on a fait le premier qui dépend du troisième, qui est en échec, et que le deuxième n'est pas encore fait. Ou, pareil, ça peut être une dépendance entre le deuxième et le troisième. Donc le premier, il dépend de rien, il est en échec, mais le deuxième, qui n'a pas encore été exécuté, dépend du troisième. Donc une explication, c'est soit le premier dépend du troisième, soit le deuxième, il dépend du troisième. Donc ça, c'est pour ça que j'ai parlé des dépendances. En fait, le calendrier d'exécution tient compte des dépendances entre les quatre tests ou les procédures de test. C'est un exemple typique. Que ça vous paraît clair. Je vais peut-être accélérer un peu parce qu'il reste encore. Donc voilà pour la priorisation. Maintenant, les deux nouveautés dans le syllabus, en fait, c'est les pyramides de test et les quadrants de test. En fait, les pyramides. Bon, on va aller peut-être un peu plus vite. La pyramide, c'est quoi une pyramide de test? C'est un modèle qui schématise les niveaux de test. C'est comme ici, en fait, c'est un modèle où on a différents niveaux. Par exemple, les tests unitaires, les tests système et les tests d'acceptance. Donc, voilà, c'est un modèle qui schématise les différents niveaux. Et ces différents niveaux, ils ont différents niveaux de détails. Donc, différents niveaux de test, ils ont différents niveaux de détails. Et ce modèle, en fait, il soutient l'équipe dans l'automatisation des tests et l'allocation de l'effort. En fait, généralement, dans cette pyramide, on a, par exemple, trois couches. La couche basse, tout en bas, en fait, c'est la base de la pyramide, où on a des tests qui sont petits, isolés et rapides. Par exemple, les tests unitaires. Les tests unitaires, en fait, ils sont assez petits, ils sont rapides, ils sont isolés. Chaque test, il teste un composant isolé. Les paramètres de couverture, il est assez petit, donc voilà, vu que les tests sont petits. Et par contre, pour atteindre une couverture raisonnable, il faut en faire beaucoup. Il faut faire plusieurs tests pour une couverture raisonnable. En fait, si chaque test est couvert en composant, pour couvrir peut-être un module d'un autre produit, il faut faire plusieurs tests de composants ou unitaires. Et que chacun couvre un composant, et donc voilà, pour avoir une couverture raisonnable, il faut en faire beaucoup. Et plus on va vers le haut, vers donc si je peux dire la tête de la pyramide, plus les tests ils sont moins détaillés, comme les tests d'acceptance. Les tests d'acceptance par les métiers, par exemple, par les tests par les parties prenantes, ils sont moins détaillés.
ils sont moins rapides, ils sont plus complexes, ce sont des tests de haut niveau ou des tests de bout en bout, ils sont moins isolés. Par contre, le temps d'exécution des tests, il est plus important. Donc, le temps de test est plus important, mais la couverture aussi, elle est plus importante. Donc voilà, donc c'est un schéma ou un modèle qui dit que on a une pyramide et que voilà, si vous voulez, j'arrive là, et que la base de la pyramide, on a des tests rapides, isolés, mais du coup, vu leur isolation et rapidité, ils sont facilement automatisables. Alors que si, quand on va un peu plus vers le haut de la pyramide, les tests deviennent plus longs, plus longues, plus complexes, des tests de bout en bout, mais et donc ils sont moins isolés et moins longs, et donc l'automatisation devient plus complexe à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit toujours que on doit, en fait, la qualité, j'aime bien cette phrase, la qualité c'est l'affaire de tous. Ça veut dire que c'est pas uniquement l'affaire des testeurs, mais les tests unitaires, en fait, on devrait normalement faire plus de tests à ces niveaux-là, au niveau unitaire ou intégration, plus que au niveau système et acceptance. C'est ce que ne se passe pas réellement dans la vie de tous les jours. En fait, le nombre et le nombre des couches, il est variable selon les modèles et les organisations. Par exemple, le modèle d'origine de la pyramide des tests, c'est le modèle Cohen de 2009. Il définit trois niveaux, les tests unitaires, les tests de service les tests d'interface utilisateur. Alors que notre modèle, il définit les tests unitaires aux composants, les tests d'intégration et les tests de bout en bout. Mais quand je parle d'intégration, c'est l'intégration des composants, ce n'est pas l'intégration des systèmes. Parce qu'on a aussi un autre niveau, c'est l'intégration des systèmes. Donc, test unitaire, intégration et de bout en bout. Je vous donne un exemple. Si par exemple votre produit, il utilise, je reprends le même exemple de l'API. Cette API, à partir d'un numéro de contrat, vous retourne des informations. Il est beaucoup plus facile de faire des tests de masse rapides directement sur l'API en lui fournissant une bonne liste de contrats. Par exemple, si les contrats dépendent de des gammes, etc. Et pour les mêmes, pour les différentes gammes, vous n'avez pas les mêmes avantages, et ainsi de suite. Donc, pour tester en masse ces contrats-là, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de les tester au niveau API que de les tester au niveau IHM. Moi, en fait, j'ai eu l'exemple où on a pu faire avec des tests API à peu près 150 tests en 20 minutes. Alors que si on voulait les faire au niveau de l'IHM, peut-être que ça nous prendrait une ou deux semaines. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'au niveau de la pyramide, il est toujours préférable de faire le plus de tests au niveau de la base qu'au niveau du sommet de la pyramide. Et évidemment, dans la pyramide, donc, tu vas avoir d'autres niveaux. Donc là, pour ces deux modèles, on a trois niveaux, mais on peut en avoir un niveau unitaire, intégration, système et UAT. Donc ça, c'est la première nouveauté dans le syllabus. Le deuxième, c'est les quadrants. Les quadrants de test, pareil, c'est un outil ou un manuel qui divise l'ensemble du processus en quatre quadrants et ça aide à comprendre comment les tests agiles sont effectués. En fait, c'est un schéma où il y a quatre blocs. Chaque bloc, il peut être soit orienté métier, soit orienté équipe. Il peut, enfin, plutôt métier ou technologie, et il peut soit soutenir l'équipe ou critiquer le produit. Donc, on va voir ça. Donc, c'est un outil qui aide à organiser les tests. On a quatre quadrants formels qui sont définis. Il aide à décrire les types de tests aux parties prenantes. Comme ça, les parties prenantes, ils peuvent savoir quels sont les types de tests qu'on fait, c'est quoi l'utilité, est-ce que c'est automatisable ou non, et ainsi de suite. Et donc, ces tests, ils sont soit orientés technologie ou métier, ou aussi ils critiquent le produit ou certaines équipes, et peuvent soit être, enfin, ils peuvent être soit manuels ou automatisés.
Voilà le quadrant, les quadrants de test. Donc vous voyez ici qu'on a, ça c'est le Q1, c'est le premier quadrant ici. Ça c'est le deuxième, troisième et quatrième. Donc le premier c'est en bas à gauche, c'est ici. Donc dans ce quadrant, si vous voulez, on fait des tests de composants, des tests système, enfin d'intégration de composants. Donc, ce sont des tests les tests les plus, c'est pas des tests plutôt système, IHM, ainsi de suite. C'est des tests qui sont orientés vers les technologies, c'est-à-dire qu'on va utiliser les technologies pour les faire. On va utiliser le code, on va coder pour le faire. Et qui soutiennent l'équipe. En fait, ils sont utilisés par l'équipe pour soutenir leur effort. C'est pas plutôt pour ce qu'on appelle critiquer le produit, c'est pas par exemple des tests qui sont faits par les métiers qui jugent l'utilisabilité du système. C'est plutôt des tests chez nous, en interne de l'équipe, pour nous soutenir, qui sont orientés vers l'autonomie. Donc ce quadrant, voilà, c'est un effort soutenu par l'équipe de développement. Généralement, ce sont les développeurs qui font ces tests-là. Il utilise de la technologie, ça soutient l'équipe, ça donne de la valeur ajoutée à l'équipe, et c'est la qualité du code interne qui est le focus principal de ces tests. Donc on s'intéresse au code. Donc on peut faire des tests de composants, des tests d'intégration, enfin des tests de composants et des tests unitaires, et des tests d'intégration, et ces tests-là doivent généralement être automatisé et inclus dans le processus d'intégration continue. En fait, ce quadrant, il aide à s'assurer qu'on construit le produit correctement, de la bonne manière, avec le bon code qui est bien développé. Le quadrant 2, on sort un peu du coup des tests composants et intégration. Et on va plutôt vers les tests système, les tests d'user story, les simulations, les prototypes, ainsi de suite. Donc là, on est plutôt du côté des testeurs. Donc là, ce sont des tests qui sont orientés vers le métier. C'est-à-dire qu'on va tester des fonctionnalités. On ne teste pas, en fait, parce que là, c'est plutôt du code. Là, on va être sur des tests de fonctionnalités, des tests système. Donc on est plus orienté vers le métier. Ces tests-là, c'est toujours soutien de l'équipe, dans le sens où ça se fait chez nous. C'est pas fait par des parties prenantes extérieures. En fait, c'est dans l'équipe. On teste les exigences métiers. Donc, le focus, c'est pas comme ici, c'est pas le code interne, mais c'est les exigences métiers. Ces tests-là, elles peuvent être automatisées ou manuelles. Généralement, les testeurs communiquent avec les clients ou les interlocuteurs pour concevoir des tests pour les évolutions. Donc, ces tests-là, ça peut être des tests fonctionnels, des exemples, des user stories, des API, des prototypes, des simulations, etc. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt des tests, entre autres, système. Et ça aide à s'assurer qu'on construit le bon produit. Tout à l'heure, c'était ça aide à s'assurer qu'on construit le produit correctement, de la bonne manière, avec le bon code. Mais ici, ça assure qu'on construit de bons produits, c'est-à-dire de bons produits en termes de fonctionnalité. Maintenant, on va au troisième. Le troisième, il est plutôt maintenant plus côté métier. Il y a des tests exploratoires, des tests d'utilisabilité, des tests d'acceptation. Donc c'est là, plutôt, c'est par exemple le product owner ou le métier, enfin qui fait les tests. On sort un peu de l'équipe. Donc ce sont des tests toujours orientés vers le métier, mais qui servent à critiquer le produit pour dire est-ce que c'est utilisable, est-ce que c'est comme ça qu'on l'a voulu, est-ce que c'est les tests, enfin est-ce que les fonctionnalités qu'on a imaginées ou qu'on a exigées marchent de la manière dont on a demandé. Donc, ce sont des tests orientés vers le métier qui critiquent le produit et ça donne un feedback
au précédent quadrant. En fait, le métier, il va donner un feedback à l'équipe. Ils font les tests d'utilisabilité, par exemple, et soit ils jugent que c'est comme ça qu'ils veulent, en fait, que le système fonctionne, ou ils font un retour. C'est pas comme ça qu'on l'a imaginé. C'est pas une liste qu'on a imaginée, mais plutôt une copine, et ainsi de suite. Voilà. Ça fait, on fait des retours à l'équipe. Et donc ça aide à avoir la confiance dans l'utilisabilité du produit. Et aussi, ça aide donc, enfin, ça contient des tests exploratoires, des tests d'acceptance. Et c'est, en fait, les tests de ce quadrant, c'est une base pour l'automatisation. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on parle de tests d'acceptation. Et surtout en agile, donc en agile, voilà, les tests d'acceptance ou d'acceptation, c'est la base des tests automatisés. Et le quatrième, donc là, on sort un peu du métier, des tests, juste j'en ai oublié. Donc pour le troisième, les tests, ils sont généralement plutôt manuels. Donc le métier, il ne va pas automatiser ces tests. Il va plutôt faire des tests d'utilisabilité, surtout des tests d'utilisabilité. Il faut un jugement humain. Il faut qu'un humain juge et estime si le produit se comporte comme il. Et donc, on s'oriente après vers le quatrième, où on s'oriente un peu plus vers les tests non fonctionnels, comme les tests de sécurité, de compatibilité, de performance, de maintenabilité, à l'exception des tests d'utilisabilité qui, eux, se font au troisième. Donc, ces tests, ils sont maintenant plutôt orientés vers la technologie parce qu'on va utiliser des outils, par exemple, JMeter, pour faire les tests de performance. On va être orienté vers les technologies, mais toujours en critiquant le produit. Critiquant le produit parce que les tests, ils se font pas généralement à l'intérieur de l'équipe. Donc, c'est mis par des équipes un peu externes. Donc, ces tests, ils sont souvent automatisés. Ils sont orientés vers la technologie. Et ils contiennent quoi? Ils contiennent des smoke tests et des tests non fonctionnels. Donc, c'est ça les quadrants de tests. Est-ce que vous avez des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut aller au deuxième sous-chapitre, peut-être un peu plus vite. Le deuxième, c'est la gestion. Oui. Rien, tu me permets, ce n'est pas vraiment une question. Enfin, c'est mes remarques, mes questions. Moi, je constate que comparé à la version 2018, je dirais qu'il y a 90% à mon goût de similitude. La oui. seule différence, mis à part les cadrans, c'est qu'on parle plus, c'est qu'on est en train d'orienter les notions vers l'agilité. Oui, c'est, oui, c'est fait, bien le, ça. Oui, le socle, il est commun en fait. Ce n'est pas une évolution, ce n'est pas une révolution du syllabus. Donc, okay. Le socle reste le Donc, même. Donc, en termes de connaissances de base, on reste quand même sur la même philosophie, c'est juste qu'on oui. intègre de plus en plus les notions d'agilité. C'est ça. L'agilité, la pyramide, okay. les quadrants, etc. Ok, ça marche. Merci. Donc, maintenant, on va à la gestion des risques. Donc, dans la gestion des risques, on va voir c'est quoi un risque, c'est quoi les attributs d'un risque, les risques projets et les risques produits, l'analyse et le contrôle des risques produits. En fait, quand on travaille sur un projet, généralement, il y a plusieurs événements ou facteurs qui peuvent mettre en danger ou en incertitude les objectifs des équipes et des organisations. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des incidents, des problèmes ou des événements qui peuvent nous impacter. Ces événements, on les appelle les risques. Et ces risques, il faut les gérer afin de réduire leurs impacts et atteindre nos objectifs. Et la gestion de ces risques, elle nous aide pour améliorer la qualité des logiciels et augmenter la confiance au produit. Donc, si vous voulez, la gestion des risques, elle contient l'analyse. Donc, il faut analyser les risques en les identifiant et en les évaluant. Ensuite, le contrôle des risques en faisant du pilotage et de la mitigation. Mitigation ou donc, l'atténuation ou la réduction de ces risques.
Là, c'est ce qu'on appelle les tests basés sur les risques. Donc, c'est quoi un risque? Un risque, c'est la probabilité qu'un danger, une menace ou un événement futur arrive et provoque des impacts négatifs et un problème potentiel. Donc, comme vous voyez, un risque, il est défini par deux attributs. La probabilité et l'impact. Par exemple, vous êtes dans un avion, bien sûr, je l'espère, à personne, et les deux moteurs s'arrêtent. La probabilité de l'accident, elle est très faible. Le fait que les deux moteurs s'arrêtent en même temps, c'est très, très faible. Mais si ça arrive, l'impact, il peut être catastrophique. En fait, ça ne veut pas dire, en fait, l'impact et la probabilité ne sont pas liés, si vous voulez, directement. C'est-à-dire, hein, c'est pas parce qu'une probabilité est plus élevée que l'impact est le plus élevé ou l'inverse. Ça peut être une probabilité très faible avec un impact catastrophique ou l'inverse. Une probabilité élevée avec un impact minime. Et donc, pour estimer un niveau de risque, enfin pour le déduire, en gros, c'est la multiplication de la probabilité par l'impact. Plus le niveau de risque est élevé, plus le traitement de ce risque est important. La probabilité, c'est souvent une valeur numérique qui est comprise entre 0 et 1. Elle ne peut pas être 0, parce que le risque 0 n'existe pas, et elle ne peut pas être à 1, parce que voilà, si on a un risque à 1, c'est que le risque, évidemment, il va arriver. Et l'impact, c'est la conséquence de l'arrivée de l'événement. En fait, la probabilité, si vous voulez, généralement, c'est une valeur numérique, mais ça peut être aussi, comment dire, peut être qualitative, c'est-à-dire probabilité élevée, moyenne, mineure ou moins élevée, etc. Donc, ça peut être aussi estimé d'une manière qualitative, et pas quantitative. Mais globalement, les niveaux de risque, c'est la probabilité multipliée par l'impact. Donc, quand on parle de risque, on parle de deux types de risques. Le risque produit et le risque projet. Le risque projet, ça impacte directement un projet. Il a une incidence sur la réussite du projet et sur l'atteinte de l'objectif de projet. Ça ne touche pas directement la qualité ou la qualité du produit, même si c'est... C'est lié finalement, mais le premier impact, c'est sur le projet lui-même. Donc, par exemple, on peut avoir des risques ou des problèmes organisationnels. Donc, un retard dans la livraison de produits d'activité, c'est un risque. Une estimation des coûts inadéquate, généralement des problèmes de financement. On a estimé un projet à 100 000 euros pour qu'on se retrouve avec 500 000 dépensés ou nécessaires pour atteindre les objectifs. La réduction des coûts. Donc, on peut travailler sur un projet, on décide finalement de réduire les coûts, donc ça impacte le projet. Une charge de travail non prévue. Donc, due à des décisions tardives. On décide tardivement qu'il faut faire tel travail ou tel, enfin, ajouter telle charge. Donc, cette charge non prévue, ça peut avoir un impact sur la réussite du projet. Maintenant, on a des risques ou des problèmes humains qui peuvent avoir une incidence sur notre projet, comme le manque de compétences ou de formation, les conflits entre les membres de l'équipe, donc les problèmes interpersonnels, si on a des conflits, des problèmes, si les membres de l'équipe ne s'entendent pas, donc ça peut impacter directement le projet. Une communication inadéquate et un manque d'effectifs. Donc tout ça impacte directement le projet et pas le produit. Des problèmes techniques, comme des exigences mal définies. Ce sont mal définies. Donc, on les développe pour se rendre compte plus tard que ça a été mal défini. Donc, ça va retarder notre projet. Le dépassement du périmètre, une mauvaise gestion des défauts, un manque d'outils ou de données. Donc, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des problèmes techniques qui représentent des risques projet. Et aussi, on a des problèmes fournisseurs, comme des problèmes contractuels, un tiers qui nous livre un produit défectueux, ou une faillite d'une entreprise de soutien. Si on est une petite start-up,
on traverse un projet qui est soutenu par une entreprise et cette entreprise, elle fait faillite, très probablement, notre projet, notre startup, elle fera aussi faillite. Donc, voilà. Et donc, les conséquences, c'est un retard sur le calendrier, c'est un dépassement du budget ou une réduction du périmètre du projet. Donc, ce sont des risques qui impactent le projet. Maintenant aussi, on a des risques produits. Donc, ce sont des risques qui sont directement liés à l'objet de test, selon la définition, enfin, selon le glossaire d'ISTQ. Donc, par exemple, on peut avoir des fonctionnalités manquantes, on craque, on livre un produit, mais il y a des fonctionnalités qui manquent, ou des fonctionnalités qui ne marchent pas. Le produit, il est défectueux. Peut-être on a mal défini l'architecture dès le début. Donc, mais avec le temps, on se rend compte que l'architecture a été mal faite. Donc, ça impacte notre produit. On a des temps de réponse assez élevés, donc des problèmes de performance. On a des problèmes de sécurité qui touchent donc à l'intégrité et à la qualité des données. Peut-être on a des faillites de sécurité qui font que des hackers donc, qui peuvent prendre la main sur notre produit. Imaginez, on travaille sur une application bancaire, on a des problèmes de sécurité. Donc, un hacker peut facilement prendre la main sur votre compte bancaire. Il fait un virement de tout ce que vous avez. On peut avoir une non-satisfaction de l'expérience utilisateur. Peut-être le produit qu'on a développé, il est conforme à ce qui a été spécifié, mais l'utilisateur, il n'est pas satisfait. L'expérience utilisateur, elle n'est pas convenante. Et des risques de dommages au matériel et à l'humain. Donc, les conséquences, ça peut se manifester comment? Un client ou un utilisateur insatisfait. Une perte de l'image de marque. Si on développe et on déploie un produit qui n'est pas satisfaisant, les utilisateurs ne l'aiment pas, enfin, ne l'apprécient pas, donc on peut perdre l'image de marque. On perd des revenus. On peut avoir l'atteinte à la confiance et à la réputation. On peut avoir des sanctions. Des dommages physiques ou moraux, des incidents, des déclarations hotline, par exemple, des clients qui appellent en hotline, on n'est pas satisfait, il ne marche pas, voilà, ou j'ai fait ça, mais j'ai un message dehors, etc. Donc, tout ça, tous ces risques produits, ils ont une conséquence immédiate sur la qualité, enfin, sur l'image de marque et sur le niveau de confiance à l'entreprise. Donc voilà, on a deux types de risques. Donc des risques projet et des risques produits. Et donc ces risques, que ce soit du projet ou du produit, ils doivent être analysés tôt dans le cycle du développement logiciel. Pourquoi analyser? Parce qu'il faut les identifier. Donc à partir de la base de test, il faut identifier les risques pour les gérer. Et réduire leur impact et leur niveau de risque. Donc, quand on les identifie, quand on fait l'analyse et on identifie les risques, on pourra les gérer plus tard et on pourra trouver des moyens de réduire peut-être l'impact et la probabilité d'occurrence. Donc, dans cette analyse, on a deux activités principales, l'identification et l'évaluation des risques. Pour les identifier, on peut faire des brainstorming, des ateliers, des entretiens. On peut avoir des diagrammes de cause à effet pour identifier ces risques-là. Une fois qu'ils sont identifiés, donc il faut les évaluer. Donc il faut les classifier par catégorie, des risques projets, des risques produits. Il faut aussi peut-être les classifier par niveau de risque, donc on a peut-être les risques les plus élevés, les risques les moins élevés, ainsi de suite. Il faut déterminer et estimer la probabilité et l'impact de chaque risque. Il faut les prioriser, donc en fonction du niveau de risque, et identifier des moyens de gestion. Comment on va les gérer? Comment on va les réduire? Enfin, réduire leur impact et leur probabilité. Et donc, pour les évaluer, il y a trois approches.
C'est soit une approche qualitative, c'est-à-dire avec une matrice de risque. En gros, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça peut être du quantitatif ou du qualitatif. Par exemple, on peut classer les niveaux, enfin, les probabilités, les risques, et les impacts, pardon, par exemple, très élevés, élevés, moyens et, je sais pas, très bas ou bas. Donc, on a quatre types, enfin, quatre classifications pour l'impact et pour la probabilité. Nous, on fait une matrice. Donc, un niveau très bas ou bas d'impact avec un niveau bas de probabilité, ça fait un niveau de risque très bas. Un niveau très élevé d'impact avec un niveau très élevé de probabilité, ça fait un niveau très élevé de risque, et ainsi de suite. Donc, on fait une matrice. Une matrice de risque. C'est ce qu'on appelle l'approche qualitative. L'approche quantitative, c'est simple, on a des chiffres entre 0 et 1, et on fait un niveau de risque en multipliant la probabilité avec l'impact. Ou aussi, on peut les combiner. On peut avoir les deux en fonction des produits. Et donc, quand on fait cette analyse de risque, pour les identifier, les évaluer, donc ça va influencer forcément les paramètres des tests et l'exhaustivité des tests. Plus on a des risques élevés, plus les paramètres doivent être larges, et plus on aura de l'exhaustivité des tests. Mais moins on a des tests de risque, niveau de risque élevé, plus les niveaux de risque sont peut-être bas, plus les paramètres ils peuvent être réduits. Donc on a moins d'exhaustivité des tests. Donc cette analyse va guider, si vous voulez, notre périmètre, et notre charge et notre activité de test. Et donc pour résumer, les objectifs d'analyse, c'est identifier les paramètres de test en fonction des risques, déterminer le niveau de profondeur des tests, définir les techniques de test à utiliser, voilà, en fonction des niveaux de risque, on a des techniques qui, en fait, qui sont assez plus poussées que d'autres, qui nous permettent d'avoir un niveau de risque, enfin, de couvrir un niveau, enfin, permettre un peu plus poussé. Ça aide à estimer l'effort. Plus on a des risques assez élevés, plus l'effort elle va être important. Ça aide à prioriser les tests et à développer des actions pour éviter les risques, ce qu'on appelle la mitigation. Mitigation ou l'atténuation des risques. Donc, il faut développer des actions pour les réduire. Une des actions les plus simples, faire des cas de test et tester. C'est un risque, voilà, c'est une action simple. Il faut tester. Donc, ça, c'était l'analyse. On les analyse, donc on les identifie, on les évalue. Maintenant, une fois qu'ils sont identifiés et évalués, il faut les contrôler et les réduire. Donc, les contrôler via un processus, donc processus dans lequel on va prendre des décisions et des mesures pour réduire le niveau de risque global ou maintenir les risques à des niveaux spécifiques. Donc, soit on arrive à les réduire, soit si on n'arrive pas à les réduire, mais on a un niveau de risque acceptable, il faudra maintenir ce niveau-là. Et donc, dans ce contrôle, on va faire l'atténuation ou la mitigation des risques et la surveillance des risques. Donc, l'atténuation, on va appliquer et utiliser des mesures qui ont été identifiées lors de l'évaluation des risques, afin de réduire les niveaux associés. Mais une fois qu'on a fait, enfin, qu'on a utilisé ou appliqué ces différentes mesures, maintenant, il faut les suivre. Donc, il faut vérifier l'efficacité de ces actions. Il faudra obtenir des informations pour améliorer le processus d'évaluation des risques. Et donc, on démarre également un nouveau cycle si besoin, enfin, un nouveau cycle d'atténuation de surveillance, si de nouveaux risques émergent. Si on a de nouveaux risques qui apparaissent,
il faudra refaire donc un nouveau cycle. Et donc pour répondre au risque qu'on a identifié, on a plusieurs, si vous voulez, options de réponse. Soit l'atténuation, donc on a des risques, on peut les atténuer, on peut les réduire. Si on ne peut pas les réduire, si on a des risques qu'on n'arrive plus à réduire, on peut les accepter comme des risques. Donc peut-être les responsables ou les métiers peuvent accepter ces risques-là, on les a, mais on les accepte. Ou les transférer, ça veut dire que au moment où on déploie par exemple un produit, on a la connaissance qu'il y a des risques qui restent, on a un risque résiduel, ce qu'on appelle un risque résiduel, il reste, mais on ne peut pas le réduire, mais voilà des moyens de contournement. Donc, et on transfère ça aux équipes de support. Voilà, si vous avez des appels téléphoniques ou des réclamations des utilisateurs, voilà les risques qui restent et comment peut-être, enfin, quels sont les moyens de contournement qu'on a à disposition pour peut-être les réduire, enfin, pas les réduire, mais voilà, pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, on transfère ces risques-là, par exemple, aux équipes de support. Et la quatrième option de réponse, c'est un plan d'urgence. On a des risques qui apparaissent, qui sont importants, donc il faut un plan d'urgence pour les réduire. Donc, on a quatre réponses possibles aux risques. Et pour faire l'atténuation de ces risques-là, il faudra bien sélectionner des testeurs avec un niveau de compétence approprié, un niveau de maturité important. Il faudra aussi appliquer un niveau approprié d'indépendance du test, c'est-à-dire c'est pas les développeurs qui va tester, mais plus on a de l'indépendance des testeurs, plus ça va être plus objectif. Il faudra appliquer des revues, des analyses statiques. Il faut bien choisir et sélectionner les techniques et les niveaux de couverture. Il faudra appliquer des types de tests correspondants ou caractéristiques qualité du produit et effectuer des tests dynamiques, y compris les tests de régression. Est-ce que vous avez des questions par rapport au risque? Ça vous paraît clair jusqu'à maintenant? Oui, ça va. Oui, très bien. Maintenant, on passe au troisième donc sous-chapitre, c'est le pilotage des tests, ou le pilotage, le contrôle et la clôture des tests. Donc voilà, donc le processus fondamental des tests, on a donc la dernière étape, c'est la clôture, et on a le pilotage et le contrôle. Donc le pilotage, ça va être la collecte des informations pour donner de la visibilité sur le test. Le contrôle, ça va être la mise en place d'actions correctrices en cas de dérive. Et la clôture, c'est rendre les actifs de test disponible pour une utilisation ultérieure. Donc, pour faire du pilotage, il faut recueillir des informations sur les activités de test. Des informations qui sont basées généralement sur des métriques. Donc, on fait une évaluation de la visibilité de l'avancement des tests, selon des métriques, selon des mesures. Voilà, on peut avoir de la visibilité sur l'avancement. Et on mesure si les critères de sortie ou les tâches de test associées aux critères de sortie sont satisfaits. Donc, pendant le pilotage, on va suivre ces métriques et ces mesures pour avoir une idée sur l'avancement des tests. Si on constate des dérives, des dérapages par rapport à ce qui était prévu, à ce moment-là, il faut faire du contrôle. Donc, on va reprioriser les tests. Lorsqu'un risque, par exemple, identifié se produit, on va réévaluer à cause d'une modification potentielle
Si un élément de si un élément de test répond toujours à un critère d'entrée ou de sortie, il faudra peut-être modifier le calendrier d'exécution en raison, par exemple, de l'indisponibilité des jets de données. Et probablement, on sera amené à ajouter ou réallouer des ressources à des activités plus prioritaires. Donc, le pilotage, on collecte des informations basées sur des métriques et des mesures. Et le contrôle, on met en place des actions correctrices si on constate que ce qui a été prévu, enfin, s'il y a un écart entre ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. Et la clôture, donc c'est là. C'est le recueil d'informations sur les tâches de test terminées. On va consolider l'expérience, le testeur et toute autre information pertinente sur les activités de test achevées. On va fournir ça aux équipes concernées, par exemple l'équipe de support, l'équipe de déploiement et peut-être certaines parties prenantes. Donc on va voilà, leur fournir ces informations sur ce qu'on a fait. Sur ce qui est peut-être les risques qui restent, les activités qui sont terminées, et aussi archiver ce testware. Et la clôture de test, elle arrive à des étapes clés ou des jalons clés du projet. Par exemple, à la clôture d'un niveau de test, à la fin d'une itération, à la fin ou à l'annulation d'un projet de test, à la livraison d'un logiciel, et à la fin d'une version de maintenance. Donc, il y a des moments clés pendant lesquels on va faire la clôture des tests. Et donc, pour le pilotage, j'en ai parlé des métriques. Donc, ces métriques, à quoi ils servent? Donc, ça va faire un peu de redite, mais voilà, ils servent à évaluer l'avancement par rapport au calendrier et au budget. Et ça sert aussi à évaluer la qualité. Ça sert également à évaluer l'efficacité des activités de test. C'est-à-dire que si on a prévu certaines activités pour atteindre certains objectifs dans des délais précis, et que à l'approche de ces délais-là, on se rend compte qu'on est encore plus loin de nos objectifs. Donc, ça peut, enfin, en se basant sur des mesures ou des métriques, ça peut nous donner une idée sur l'efficacité des activités de test qu'on a fait. Est-ce que ces activités sont efficaces et nous ont permis d'atteindre tel objectif à telle date ou non? Donc, ça peut être non efficace. Peut-être on est parti dans des directions un peu fausses. Et parmi les métriques les plus courantes, on peut avoir des métriques d'avancement de projet, comme la clôture des tâches, l'utilisation des ressources, des métriques d'avancement des tests, donc par exemple le nombre de cas de tests faits, l'avancement sur la préparation de l'environnement de test, le nombre de cas de tests passants ou non passants, la durée d'exécution, ainsi de suite. On peut avoir des métriques sur de qualité, comme la disponibilité du produit, si notre produit est tout le temps disponible et répond avec les SLA prévus, donc avec les temps de réponse prévus. Donc voilà, ça nous donne une idée sur des métriques sur la qualité du produit. Également des métriques liées aux défauts, comme le nombre de défauts trouvés et corrigés, la densité des défauts, le pourcentage de détection des défauts, par exemple si entre la phase de test en production, on découvre en gros une centaine de défauts, mais parmi lesquels il y a une quarantaine en production. Ça nous donne une idée sur le pourcentage de détection des défauts. Et donc, ça donne une idée également sur l'efficacité des activités de test. Et aussi, on peut avoir des métriques de couverture, donc des couvertures des exigences et la couverture de code, et des métriques de coût. Coût de test. Et coût organisationnel de la qualité. Donc voilà, on peut avoir pas mal de types de métriques à utiliser pour évaluer les activités de test.
Et donc, à partir de ces métriques, généralement, on va faire du reporting à des destinataires différents, avec un niveau de détail différent, et à des fréquences et des jalons différents. En fait, ce qui a été, ce qui est identifié, enfin, ce qui est, comment dire, identifié dans le syllabus, ce sont deux types de rapports, des rapports d'avancement et des rapports de synthèse, ou de clôture. Rapport de clôture. Donc, dans ces rapports, on va mettre certaines informations à certains destinataires. Et le reporting de ces tests donc, synthétise les informations pour produire des métriques pendant et après les tests. Donc, si on fait un premier focus sur le rapport d'avancement, le rapport d'avancement, il arrive pendant une activité de test. On est en train de faire l'exécution. L'exécution, par exemple, prend 3 semaines. Peut-être chaque jour ou chaque semaine, on va faire un rapport d'avancement. Voilà. Voici notre avancement, combien de tests on a exécuté, les défauts qu'on a trouvés, ainsi de suite. Donc, c'est un rapport d'avancement pendant une activité de test. C'est un support d'information et de communication sur l'état des tests aux parties prenantes. Et donc, ça aide, ce rapport-là, d'avancement, ça aide à la prise des décisions sur le planning, les ressources, le plan de test. Et généralement, ça arrive à des fréquences régulières. Ça peut être, par exemple, un reporté quotidien à la fin de chaque jour, un mail ou un mail, voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a couvert, l'avancement, ainsi de suite, ou par exemple hebdomadaire, pendant, par exemple, des comités de suivi. Des comités de suivi avec l'équipe ou avec le responsable de l'équipe. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans ce rapport d'avancement? On met la période de test, qu'est-ce qu'on a testé, l'avancement, et tout écart notifié, les problèmes rencontrés et les solutions au moyen de contournement, les métriques de test, les états des risques, donc les états, les risques découverts, les risques mitigés, et ainsi de suite, donc voilà, les états des risques, et le reste à faire pour les prochaines périodes. Donc c'est un rapport d'avancement, on n'a pas encore clôturé l'activité de test. Une fois que cette activité aux phases de test est terminée, à ce moment-là, on peut faire un rapport de clôture, donc qui est préparé lors de la phase de clôture des tests. Donc c'est un rapport qui arrive à la fin des activités ou au niveau de test ou en projet de test. Par exemple, à la fin des tests système, on fait un rapport de clôture des tests système. À la fin des tests en fonctionnel, donc c'est un type, par exemple, de test, on fait un rapport de clôture. Et généralement, quand on fait ce rapport, en fait, les critères de sortie ils devraient être remplis. Donc, quels sont les éléments qui devraient être présents dans un rapport de clôture? C'est un résumé du test, de l'activité du test. C'est une évaluation de la qualité du produit, de l'avancement et la qualité des tests. On fait l'évaluation des critères de sortie. On précise s'il y avait des écarts, des dérives par rapport au prévisionnel. On communique également sur tout problème ou tout incident rencontré et comment on a géré ces problèmes-là, donc quels étaient les moyens ou les solutions de contournement. Également, on va parler des métriques, des tests. Donc, en se basant sur les rapports d'avancement, mais ce sont finalement des métriques de clôture d'une activité de test. S'il nous reste encore des risques non couverts ou partiellement couverts, ou des risques, en tout cas, voilà, des risques résiduels, ou des défauts non résolus, il faudra les préciser. Et quels sont les axes d'amélioration pour les prochains projets de test ou pour les prochains niveaux? Donc, comment on va s'améliorer? Enfin, une petite, si vous voulez, une rétro dans ce rapport pour dire voilà, comment on peut améliorer les choses. Et
ce rapport, en fait, entre le rapport d'avancement et le rapport de clôture, c'est pas forcément les mêmes destinataires. Donc, un rapport de clôture, par exemple, enfin, un rapport d'avancement, ça peut être, par exemple, entre l'équipe, entre équipes ou responsables d'équipe, ou peut-être quelques parties prenantes. Alors que généralement, un rapport de clôture, ça englobe plus des responsables, un directeur technique, par exemple, qui lui doit prendre des décisions sur la base de ses rapports de clôture. Et c'est pour ça, en fait, que souvent il y a un double suivi, de façon à délivrer l'information pertinente au bon niveau. Par exemple, un rapport d'avancement, c'est pendant le comité de suivi, qui est quotidien ou hebdomadaire, alors qu'un rapport de clôture, ça peut être délivré, par exemple, pendant un comité de pilotage, où il y a plus de responsables de haut niveau. Et donc, pour terminer avec l'avancement des tests, avec le reporting des tests, pour communiquer sur les tests, en fait, il y a plusieurs, si vous voulez, moyens. Ça diffère d'une organisation à une autre, d'une équipe à une autre, et en fonction de la stratégie de test. Donc, on peut, par exemple, communiquer verbalement. Entre l'équipe, entre les membres de l'équipe ou avec quelques parties prenantes. Ça peut être du verbal. Ça peut être en utilisant des tableaux de bord, comme des bandes en charte, des tableaux de tâches. Ça peut être avec les moyens de communication classiques, comme des emails, comme Teams par exemple, ou tout autre outil de communication. Ça peut être via la documentation partagée, comme sur Confluence par exemple. On peut voilà, communiquer sur Confluence, on peut mettre nos rapports de confiance, ou via des procès-verbaux de test, et donc ou des rapports de test classiques. Et on peut combiner ces différents moyens, bien évidemment. Et souvent, si vous voulez, en fait, les équipes de test, donc soit elles travaillent ensemble dans le même local, soit elles peuvent être distribuées et éloignées. Par exemple, on peut travailler avec des équipes en France, avec enfin, des personnes en France qui travaillent avec des personnes en Tunisie, des personnes en Inde. Donc, plus les équipes sont distribuées et éloignées, plus la communication va être formelle. Enfin, la tendance est à être plus formelle. Et également, la communication doit être adaptée aux différents interlocuteurs. Par exemple, un directeur technique, on ne va pas lui faire un reporting verbal. Mais ça, c'est plus formel que ça peut être, par exemple, un PV de test. Alors qu'un collègue, pendant des meetings ou un product owner, on peut lui faire un reporting un peu plus verbal ou moins formel qu'un directeur technique ou un responsable métier. Est-ce que vous avez des questions par rapport au troisième sous-chapitre? Donc là, on attaque le quatrième sous-chapitre, c'est l'avant-dernier, c'est la gestion de configuration. Après, on va terminer avec la gestion des défauts. Donc là, j'ai repris trois définitions du glossaire. Je commence par la droite, la traçabilité. Donc la traçabilité, si je reprends la définition, c'est la mesure dans laquelle une relation peut être établie entre deux ou plusieurs produits d'activité. Ensuite, le testware, c'est les produits d'activité réalisés au cours du processus de test pour la planification, la conception, l'exécution, l'évaluation et l'établissement des rapports sur les tests. Et la gestion de configuration, c'est une discipline appliquant une direction et surveillance technique et administrative pour identifier et documenter les caractéristiques fonctionnel et physique d'un élément de configuration. Contrôler les modifications de ces caractéristiques. Enregistrer et informer des modifications et états d'implémentation et vérifier la conformité avec des exigences spécifiques.
Pour donner un exemple, je peux donner un exemple en fait pour comprendre un peu la gestion des configurations. Par exemple, nous travaillons sur un fichier. On est à plusieurs à travailler sur le même fichier. Moi, je le modifie, une autre personne le modifie, mais en le modifiant, cette personne-là, elle a écrasé ce que j'ai fait. Elle a écrasé les modifications que moi j'ai fait. Également, notre exemple, nous travaillons sur, on est en train de faire des cas de test sur des exigences. Donc, on est en train de tester des exigences. Donc, on a passé les tests, ils étaient, par exemple, passants. Mais ensuite, cette exigence, elle a évolué. Donc, on a réexécuté peut-être les cas de test, ils étaient non passants. Avec le temps, on ne saura plus. Enfin, peut-être quelle exécution ou quel test ils étaient liés à quelle exigence, à quelle version d'exigence. Donc, c'est ce que donc définit la gestion de configuration. En fait, c'est vraiment la mise en place de versionning, si vous voulez, et de la traçabilité entre les différents éléments, que ce soit du test ou les éléments donc du projet lui-même, pour définir, pour avoir en fait tel cas de test à tester telle version d'exigence. Moi, quand je modifie un fichier, ce fichier, ou quelqu'un d'autre, en fait, plus tard, il arrive, il le modifie, donc il y a une nouvelle version de ce fichier qui se crée pour garder les modifications, et ainsi de suite. Donc, la gestion de configuration, elle identifie et contrôle un produit logiciel tout au long de son cycle de vie. Et elle assure l'intégrité d'un logiciel dans une version X. Pour savoir, en fait, tels éléments constituent tel logiciel pour telle version. Et donc, pour mettre en place cette gestion de configuration, là, vous l'avez peut-être aussi quand vous travaillez sur les tests, en fait, si vous utilisez un outil, X-Ray par exemple, dans X-Ray, voilà, vous pouvez lier le test US, donc il y a ce lien qui se crée, donc vous savez que ce test il teste tel US pour telle version, dans tel environnement, avec tel jeu de données, et ainsi de suite. Donc c'est pour avoir toute cette traçabilité entre les différents éléments, pour ne pas dire un jour, non mais ce cas de test il a testé quelle version, il a été fait sur quel environnement, est-ce que c'était en recette, est-ce que c'était en pré-production, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour avoir cette intégrité dans le logiciel, si vous voulez. Et donc, pour mettre en place cette gestion de configuration, on doit d'abord identifier les éléments de test, les versionner et assurer le suivi et le lien. Les liens, enfin, les uns avec les autres. En cas de changement de configuration, de modification ou de document annexe, il faudra maîtriser ces changements-là. Donc, il faut que un nouveau lien soit créé. Pour savoir, par exemple, si je travaille sur un outil, j'exécute deux fois, j'exécute une première fois mon test, comment dire, il est KO. Je l'exécute, après, il y a eu une correction, donc il y a eu une évolution, peut-être une correction d'anomalie sur une US. Je l'exécute une deuxième fois, il est passant. Il faut que je sache que telle exécution concerne telle version de cette US à tel moment. Donc c'est pour ça qu'il faut assurer la traçabilité tout au long du processus de test. Et donc la procédure, si vous voulez, de gestion de configuration, hein, la gestion de configuration elle-même, elle est définie lors de la phase de planification. Quand on fait la planification, on fait le plan test, c'est à ce moment-là qu'on définit comment on va gérer la configuration. Et donc, si on l'applique sur les activités de test, la gestion de configuration logicielle, c'est l'utilisation d'un outil de gestion des tests. Donc, c'est pas, on n'a pas peut-être intérêt à travailler sur Excel, mais plutôt sur un outil de gestion des tests pour stocker les exigences, que ce soit du fonctionnel ou du technique, et les conditions et les cas de test. Par exemple, Squatch, voilà, des exemples simples, X-Ray, TestLink, et ainsi de suite. Il faudra utiliser des outils. Il faudra assurer la traçabilité
entre les exigences et les conditions et les cas de test, pour savoir tel test, telle condition a testé telle exigence, et telle exigence a été couverte par tel cas de test, etc. Donc, il faut assurer la traçabilité. Il faudra définir une norme de nommage des exigences et des conditions ou des cas de test. Et aussi, ce qui est très important, définir les rôles et le profil des utilisateurs et leurs habilitations. Pour ça, pour dire qui peut modifier, par exemple, un élément de test. Voilà, pour que, par exemple, vous travaillez sur un outil de gestion de test, il ne faut pas que n'importe qui ait la main sur vos tests pour les modifier. Donc, il faudra définir des rôles, des habilitations. Les utilisateurs qui ont ces rôles et ces habilitations, ils ont de la main, par exemple, pour les modifier. Si moi, je crée un test, je suis le rapporteur, mais derrière n'importe qui, il vient, il peut le casser, il peut le modifier, c'est un peu embêtant. Donc, peut-être, il faut limiter la modification à celui qui a un rôle de rapporteur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à définir quand on fait de la gestion de configuration. Et donc, pour avoir une idée plus claire, parmi les informations que peut donner ou fournir une gestion de configuration, quelle version a été déployée en production? Par qui et comment un défaut a été corrigé? Donc, quand on utilise des outils, on peut savoir qui l'a ouvert, qui l'a corrigé et comment elle l'a corrigé. Comment reconstruire ou rebuilder une version X d'un logiciel? Qui travaille sur un document en ce moment-là et où le trouver? Est-ce que la correction d'anomalie a été intégrée dans la version livrée? Et quel test on a effectué sur une version ou sur un user story ou sur voilà, sur une version d'un produit? Quel test on a fait? Et donc, en assurant cette gestion de configuration, en assurant la traçabilité bidirectionnelle, on peut avoir pas mal de bénéfices. On peut réduire les risques. On améliore la qualité des activités de test et de développement. On peut assurer qu'on travaille tous au même moment sur la même version et sur un produit commun. On n'est pas une partie, enfin, des personnes travaillent sur la version 1 et les autres travaillent sur la version 2. Donc, avec ça, on va améliorer la qualité du produit, mais évidemment, en réduisant ces risques de que chacun travaille peut-être sur une version ou sur un périmètre qui n'a rien à voir avec les autres, on va évidemment maîtriser les coûts et les délais. Est-ce que vous avez des questions? Bon, on va terminer avec le dernier sous-chapitre. Après, il y aura un petit quiz. Donc, le dernier sous-chapitre, c'est la gestion des défauts. Donc, on a parlé des défauts. Maintenant, on va voir comment elle est gérée. Donc, je commence par deux petites définitions. Un défaut et une anomalie. Un défaut, en fait, c'est une imperfection ou une déficience d'un produit d'activité lorsqu'il ne répond pas à ses exigences. C'est-à-dire, vous êtes en train d'analyser des user stories, vous trouvez des défauts dans le user story. Vous trouvez peut-être des contradictions entre les règles. Il y a des règles limitées, mais les deux sont contradictoires. C'est un défaut. Un développeur est en train de faire une revue de code. Il trouve un défaut dans le code. Donc, on n'a pas encore exécuter un code. Vraiment, on est dans la. Le code, il n'y a pas de code, il n'y a pas d'exécution. On est au niveau du défaut. On n'est pas au niveau de la défaillance. Vous, peut-être aussi, vous êtes en train de faire la revue des quatre tests de notre testeur. Vous trouvez des défauts dans ces quatre tests. Peut-être des étapes qui ne marchent pas ensemble ou des ambiguïtés ou tout type de défauts. Donc ça, c'est un défaut. Une anomalie, en gros, c'est quand on a un résultat attendu différent du résultat obtenu.
Donc, c'est toute condition qui dévie des attentes. Donc, on attend un résultat, mais on trouve un autre. C'est ça l'anomalie. Donc, il y a deux, voilà, juste pour que ce soit un peu, enfin, au niveau des définitions, c'est pas la même chose. Mais là, quand on va parler de gestion des défauts, donc, en gros, c'est ce qu'on appelle habituellement les bugs. Donc, pour gérer les bugs, il est très important de les, en fait, les bugs, de les déclarer. Donc, on peut les déclarer. C'est très important de les détecter déjà. Mais il faudra ensuite les gérer. Donc, comment gérer des défauts? Il nous faudra un workflow. C'est pas oral. On ne peut pas les gérer oralement parce que l'information va se perdre. Donc, on a besoin d'un workflow qui nous permet de structurer et formaliser le cycle de vie d'un défaut. Depuis la découverte du défaut jusqu'à sa clôture. Donc, il faut un workflow bien précis. Ce workflow, il est composé d'états ou de statuts. Donc, un défaut, il peut passer par différents états. Et ce workflow aussi dépend ou se base sur des rôles. C'est-à-dire chaque personne elle a un rôle et ce rôle lui permet de faire telle action mais pas une autre. Par exemple, moi, en tant que testeur, par exemple, je peux déclarer un défaut, mais peut-être je n'ai pas le droit de le passer à l'état corrigé parce que c'est le développeur qui doit le faire. Donc voilà, donc on définit un workflow qui se base sur des états et des rôles. Donc ces rôles, ils ont la capacité de modifier enfin peut-être toute ou une partie des états. Un défaut, donc, il est déclaré dans un rapport, ce qu'on appelle un rapport de défaut, ou voilà, habituellement les tickets de bug, si vous voulez. Donc, ce rapport, il résume le défaut, il décrit l'incident et l'impact sur le processus de test. Est-ce que ce défaut va me bloquer? Il bloque mes tests, ou il bloque partiellement mes tests, ou il est plutôt mineur, donc il n'y a pas vraiment d'impact, et ainsi de suite. Donc, l'impact. Et également, un défaut doit être classifié par criticité. Il est critique, il est bloquant, il est majeur, il est mineur, par priorité. Est-ce que la priorité de correction elle est assez élevée? Est-ce que c'est pas urgent? Est-ce qu'on peut attendre? Enfin, c'est juste, voilà, on a trouvé un défaut, mais bon, c'est pas urgent. Donc, on peut avoir une classification par criticité et par priorité, et aussi par composant. Tel défaut, il touche tel composant. Le deuxième défaut, il touche un autre. Donc, par composant. Et également par origine. Donc, comme le niveau de test, par exemple, ce défaut a été déclaré ou a été découvert pendant les tests d'intégration, l'autre, il a été découvert pendant les tests système, et l'environnement, donc un défaut a été trouvé en recette, mais l'autre, il a été trouvé en pré-production, et ainsi de suite. Donc, voilà, donc pour gérer des défauts, il faut avoir un workflow détaillé, clair, il faut déclarer des rapports. Il faut classifier les défauts. Et donc, parmi les objectifs de test, évidemment, c'est trouver des défauts. Ces défauts, il faudra les tracer, il faudra les suivre. C'est pas, il vaut mieux que ça soit pas oral. Et donc, pour résumer, la gestion des défauts, c'est un processus visant à les suivre durant toutes les étapes de la vie d'un produit ou un logiciel. Et donc les défauts, il faut qu'ils soient analysés, suivis et gérés. Et quand on parle des défauts, ou de la découverte des défauts, ce n'est pas uniquement en cours de construction. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement dans les environnements, ce qu'on appelle de build. Un défaut, il peut être trouvé sur un produit en cours d'utilisation en production. Donc voilà ce qu'on appelle aussi les incidents de prod ou. Voilà, ce sont des défauts, mais sur un produit en cours d'utilisation. Et donc, on peut trouver des défauts dans les documents d'architecture, quand on fait de l'exécution des tests, sur les user stories, sur les manuels d'utilisation, sur tout type de documentation, on peut trouver des défauts
et donc il faudra les déclarer et les suivre. Donc quand j'ai dit que la gestion des défauts ne doit pas être orale, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit assurée par des outils. Par exemple, Jira. Jira, c'est un très bon outil pour Mantis ou Bugzilla, voilà, en tout cas un outil. Ces outils, donc, ils nous aident, je répète un peu, ça va nous permettre de définir un workflow, définir les statuts, les responsabilités, les attributs de classification, et donc un rapport de défaut va nous fournir des informations afin de résoudre une anomalie, des informations sur quand est-ce, comment la détecter, comment le reproduire, les preuves de test, des logs, les jeux de données, ainsi de suite. Ça va nous permettre de faire le suivi de la qualité du produit, donc pour savoir tel défaut a été résolu, tel défaut n'a pas encore été résolu, ainsi de suite, pour juger et pour estimer la qualité. Et évidemment, ça va nous aider à améliorer les processus de test et de développement. Vu que c'est bien cadré, vu que ça suit un workflow défini, et que chacun a un rôle et des habilitations définies et précises, donc ça va améliorer le processus de test et de développement. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on met dans un rapport de défaut? Quand on déclare un bug, il y a un identifiant, il a un titre et un résumé. En fait, la liste n'est pas exhaustive, c'est juste voilà, des points, des éléments qu'on peut mettre dans un rapport de défaut. La date de création et l'auteur ou le rapporteur. Les informations sur l'objet de test et l'environnement de test. On est en train de tester tel objet, on a trouvé une anomalie, enfin un défaut. On est en train de faire une revue de tel document, on a trouvé un défaut. Et l'environnement, si un environnement concerné. Le niveau de test. Et là aussi, donc, très important, c'est une description des éléments permettant de reproduire le défaut et la résolution. Comme des screenshots, des logs, des données, des résultats attendus et obtenus. Ensuite, on a la priorité et la sévérité, l'urgence de correction, donc c'est la priorité, enfin l'urgence de correction, c'est en gros la priorité. Vu que ça suit un workflow, donc il aura forcément un état, il est dans l'état ouvert, il est résolu, il est peut-être différé, il est rejeté ou clôturé. Donc voilà, ça dépend du workflow qu'on a défini. Ça peut contenir, ça dépend des outils, mais des commentaires, des modifications, donc l'historique sur ces modifications et ce commentaire, comme ce qu'on a dans Jira. On peut ajouter des observateurs, des rapports de défaut, et l'impact donc sur le processus de test. Est-ce que c'est bloquant? Donc ça bloque complètement le test. Est-ce que c'est majeur? Donc ça bloque une partie, mais on peut trouver un moyen de contournement. Est-ce que c'est moyen? Donc voilà, c'est moyennement important, mais bon, c'est pas urgent. Ou c'est mineur, donc il n'y a pas d'impact. Donc c'est juste un défaut mineur, ça n'impacte pas la suite des tests. Et là, je finis avec des exemples de statuts qu'on peut avoir dans un workflow de défaut. Donc, également, cette liste n'est pas exhaustive, mais ça représente quelques statuts. Donc, un défaut peut être au statut ouvert, quand l'anomalie a été détectée la première fois et n'est pas encore traitée par un développeur. Un développeur, il peut rejeter une anomalie, enfin un défaut, s'il estime que ce n'est pas un défaut. Mais la raison de rejet doit être précisée. Maintenant, si le développeur a rejeté, mais le testeur n'est pas convaincu. Donc, un défaut, il peut partir au statut arbitrage. Il faut que ça soit arbitré pendant un comité de suivi des anomalies. Peut-être des responsables, le responsable des tests, peut-être le responsable du développement. Là, il faut qu'ils discutent pour arbitrer si c'est l'anomalie, c'est une vraie anomalie ou c'est juste enfin, une fausse alerte, entre guillemets.
Un développeur peut trouver, quand il reçoit un défaut, un rapport de défaut que par exemple ce défaut a été déjà déclaré, donc c'est un doublon, il ne peut pas passer au statut doublon. Quand il le corrige, il passe au statut corrigé. Il peut ensuite passer au statut attesté. Donc, le développeur il demande au testeur de tester la correction. Quand le testeur il a testé, la correction a été effective, donc il le passe au statut validé. Maintenant, un défaut, un rapport de défaut, il peut, quand on a fait l'arbitrage, on peut décider que ce n'est pas prioritaire. On va pas le faire, on va pas le corriger tout de suite. En fait, voilà, il a été arbitré, c'est un vrai défaut, mais on va pas le corriger tout de suite. Donc, on va le reporter à une version ou un sprint prochain. Donc, il passe au statut différé. On va le faire plus tard. Et finalement, quand un défaut ou une anomalie est corrigée, la correction est validée, à ce moment-là, il passe au statut clôturé. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, j'arrive à la fin. Maintenant, si vous voulez, on va faire un petit quiz. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ça? Moi, je me permets, j'aurais juste une petite remarque. Est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, dans les organisations que j'ai pu voir ou discuter dans ma petite carrière de MOA, je pense que le statut doublon existe de moins en moins avec des rôles du type PPO ou Defect Manager. C'est la personne qui va recevoir, à qui seront affectées toutes les anomalies ouvertes. Et si lui, il constate qu'il y a une anomalie en doublon, c'est à lui de la centraliser. Donc, je vois de moins en moins dans les workflows que j'ai pu voir le statut doublon. Oui. Oui, ça, Mais non, sinon, qu'est-ce que tu en penses? je suis d'accord, en fait. Le statut doublon, il n'existe pas toujours, mais après, la liste, c'est pas, en fait, ce Elle n'est sont des pas. exemples deep. C'est pas des exemples qu'on trouve partout. OK. Voilà, ça dépend des organisations. Même par exemple, le statut différé, on ne le trouve pas partout. Les différés, ou non. Exactement, je l'ai par exemple jamais vu, mais. Et sinon, je profite du petit temps de parole pour te remercier énormément de la qualité de la présentation. J'ai appris énormément de choses et je me suis surtout mis à jour. Donc, merci à toi, merci aux organisateurs, merci à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Est-ce que peut-être quelqu'un d'autre a une remarque ou une question avant de passer au quiz? C'est peut-être l'heure du déjeuner aussi. Donc, non? C'est clair. C'est clair. Très bien. Donc voilà, maintenant on passe au un petit quiz si vous voulez. Donc il y a 8 questions en tout. Si vous voulez, on les fait une. Je vous laisse donc me donner si la réponse que vous paraît la bonne. Donc la première question, elle dit, c'est un comité de pilotage qui a besoin de reporting sur les tests pour prendre une décision de mise en production. Donc, quel produit d'activité serait le plus approprié? Est-ce qu'on lui fournit l'ensemble des 4 tests avec leur statut d'exécution ou un rapport d'avancement des tests ou un rapport détaillé de tous les défauts détectés, leur rapporteur, la cause racine et le correcteur ou un rapport de clôture des tests? Qu'est-ce que, selon vous, serait le plus approprié. Comme ça, une réponse sur la logique. Pour mettre en production, il faut clôturer les tests pour mettre en production, non? Je sais pas. Est-ce qu'un comité de pilotage est intéressé par qui a ouvert un bug, qui l'a corrigé? Voilà.
pour mettre en production. Je pense que ça n'intéresse pas trop. Pareil, un rapport d'avancement. Là, on Rapport va faire. d'avance. Pas tout à fait, parce qu'on va mettre en production. Donc, logiquement, on a terminé les tests. Donc, c'est pas vraiment un rapport d'avancement. Et c'est pas l'ensemble des quatre tests parce que ça les intéresse moins. En fait, ce qui intéresse un comité de pilotage, par exemple, qui veut mettre en production, c'est un rapport de clôture. C'est la réponse D. Après, dans la pratique, il arrive des fois qu'il y a une mise en prod qui est précipitée et ou qu'il y ait un ensemble de demandes du product owner ou du client qui arrive au fil de l'eau à la dernière minute et que l'équipe des tests fonctionnels n'aura pas le temps de forcément de tout couvrir. Donc à ce moment-là, on ne pourra pas parler de rapport de clôture de test. Plutôt d'un statut d'avancement. Et ça s'arbitre sur un kick-off, par exemple. En fait, pour la question de l'examen, il faut vraiment pas partir dans trop de Ah, peut-être. c'est des questions d'examen. Oui, c'est des questions type. Oui. Ah, Enfin, ok, donc ouais. c'est la belle théorie. Ok, Voilà. j'ai rien dit alors. Donc Désolé. voilà, en fait, donc on veut montrer en production qu'est-ce qui intéresse des responsables. C'est plutôt un rapport de clôture. La deuxième question, c'est en fait il y a une liste d'activités qui seraient liées à la gestion de configuration. Ça ne veut pas dire, en fait, c'est peut-être sont tous liés à la gestion de configuration, peut-être pas. Donc, identifier et documenter les caractéristiques d'un élément de test, contrôler les changements des caractéristiques, communiquer l'avancement des tests aux parties prenantes, enregistrer et documenter le statut des changements des éléments de test et vérifier qu'une modification par un développeur a résolu un défaut. Selon vous, quelle est la réponse correcte? Est-ce que uniquement c'est la réponse, c'est la 2 qui est une activité de gestion de configuration? Ou elles sont toutes des activités de gestion de configuration? Ou c'est que la 2, la 4 et la 5 qui sont des activités de gestion? Ou que la 1, la 2 et la 4, ou aucune n'est une activité de gestion de configuration. Je vous laisse lire et Ce n'est pas la réponse D. Je pense que 1, 2 et 4 sont des activités de gestion de configuration. la réponse est C. Moi aussi, je dis un C. Donc, il y a un C et un D. Non, pour dire l'identification et documentation des caractéristiques d'un élément, c'est normalement pour la planification, non? Bon, on va les voir une à une. Par exemple, la réponse A, il dit que c'est uniquement la 2. Est-ce que ça vous paraît la bonne? Non. 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 La réponse B dit est-ce que, enfin, que toutes ces activités sont des activités de gestion de configuration. C'est-à-dire quand, par Non. exemple, hein, sinon, quand je teste la correction d'un défaut, ce n'est pas une activité de gestion de configuration. La dernière, la réponse E, elle dit qu'aucune n'est une activité de gestion de configuration. Plus. Parce qu'il y a quand même quelques activités qui sont liées à la configuration. Donc, il reste la C et la D. Si je prends la C, donc pour la C, c'est la 2, la 4 et la 5. Donc, déjà, il y a la réponse 5 qui dit que vérifier qu'une modification par un développeur a résolu un défaut. C'est pas Ça, c'est pas.
C'est pas une activité de gestion de production, ça, de configuration, ça. Exactement. Donc, la C, elle est encore active. Donc, il reste la D. Donc, la D, on a quoi? On a la 1, la 2, la 4. Donc, la 1, c'est identifier et documenter les caractéristiques. Ensuite, contrôler les changements des caractéristiques et enregistrer le statut de changement des éléments. Donc, si je reprends. La gestion des configurations, identifier et contrôler. Déjà, identifier. On parle d'identification et contrôler un produit logiciel. Identifier les éléments de test. Et après, dans la définition, on parle de documenter, identifier et documenter les caractéristiques, contrôler les modifications, voilà, et informer les modifications, etc. Quand il y a bien l'identification. Donc c'est la réponse D. Ça vous paraît clair? Pour la question 3, donc, lequel est un facteur qui impacte la durée, mais pas l'effort de test? La durée. Est-ce que c'est le niveau de maturité des testeurs? Ou la qualité des exigences, ou le délai de correction des défauts par le développement, ou la qualité requise du produit. Qu'est-ce qui peut impacter la durée des tests, mais pas l'effort de test? Délai de correction des défauts, non? C'est Tout à fait. la D, non? Non, c'est là, c'est. En fait, si, pour la réponse D, la qualité requise du produit. En fait, plus on demande de la qualité, plus d'efforts ça va nécessiter. Parce qu'on va tester encore plus, on va aller dans les détails, peut-être il faut automatiser, etc. Donc, plus on demande de la qualité, plus il faut faire encore plus d'efforts. Alors que la réponse C, donc, si on a trouvé un défaut, on l'a déclaré. Le développeur, il a pris une semaine pour le corriger. Pendant cette semaine, ça nous, en tant que testeurs, ça ne nous nécessite pas plus d'efforts. Juste, ça va rallonger la durée Ah, d'accord. de test. C'est la réponse C. Maintenant, considérons la liste de risques produits ou projets ci-dessous. Donc, la première, c'est une erreur d'algorithme qui peut conduire à un problème de paiement. La deuxième, c'est un retard de livraison de composants par un fournisseur. Ensuite, on a un défaut de sécurité dans le produit. Ensuite, c'est un manque de formation des développeurs sur une technologie du système. Et la dernière, c'est une surcharge de l'équipe de développement à cause d'une mauvaise priorisation des défauts. Pour vous, lesquels sont principalement des risques produits et lesquels sont principalement des risques projets? Surcharge de l'équipe de développement. Réponse E. Non, les réponses sont là. En fait, certains de ces éléments sont des risques projets et d'autres sont des risques produits. Donc, voilà, la question c'est lesquels sont Rien, des... Oui. rien, rien peut-être dans la question 4, c'est A, B, C, D, E et non 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour cela qu'elle a Oui, fait la oui, oui, oui. confusion. Oui, c'est une petite erreur, oui. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oui, désolé. Donc, si on prend le premier, une erreur d'algorithme peut conduire à un problème de paiement. Est-ce que pour vous, c'est principalement
Risque produit ou projet? C'est une erreur d'aphorisme. Produit. Ça, c'est un risque produit. Produit. Donc, une, c'est produit. Donc, déjà, par élimination, la C et la D, on peut les éliminer. Parce qu'ils disent que 1, c'est un risque projet. Donc, il reste la A et la B. Un retard de livraison. Donc, c'est un risque projet. Risque projet. Projet. Donc, la 2, c'est projet. Donc, la 2, bon, dans les deux cas, c'est projet. Donc, OK. Un défaut de sécurité. C'est un risque produit. Produit. Produit, déjà par élimination. Donc, la B, elle est éliminée. Donc le A, c'est le correct. Donc, les risques produits, c'est l'erreur d'algorithme, les défauts de sécurité. Ça, c'est produit. Alors que le retard de livraison, le manque de formation des développeurs, parce que ça va retarder encore les développements, et la surcharge de l'équipe de développement, ça touche principalement le projet. Donc, voilà, la réponse est A. Il y a pas mal de questions, il faut procéder par élimination. Si on a un doute. La cinquième. Quel est le meilleur, pas l'unique, le meilleur critère de sortie des tests? Est-ce que le meilleur, c'est quand il n'y a plus de temps? Ou qu'on a atteint un bon niveau de confiance? Où tous les défauts ont été trouvés, où le client ne trouve plus de défauts majeurs. Peut-être c'est le B, on a atteint un bon niveau de confiance. Ou bien le D. D. Non, c'est le B. B, on a atteint un bon niveau de confiance, je pense. C'est ça, c'est le B. Le A, bon, c'est pas le meilleur critère, c'est pas parce qu'on a plus de temps que c'est le meilleur critère. La C, déjà, elle est en contradiction avec un des principes de base de test. Principes de base. Voilà. Tous les défauts. On ne peut pas trouver et dire qu'on a trouvé tous les défauts. Les clients ne trouvent plus de défauts majeurs. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Aussi, non? Je pense que c'est pas, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, le meilleur, c'est qu'on a un bon niveau de confiance. La 6. Afin d'estimer l'effort de l'implémentation et de l'exécution des tests, quelle technique est la meilleure? Est-ce qu'on demande, l'estimation de l'effort d'implémentation et d'exécution des tests? Est-ce qu'on demande au développeur de faire l'estimation? Ou on se base sur l'intuition et on essaie de convaincre l'équipe? Ou c'est à la direction de faire l'estimation? Ou c'est une réunion Delphi à large bande avec les membres de l'équipe qui serait la meilleure technique, ou toutes les réponses sont correctes. La réponse E. La réponse E. C'est-à-dire. C'est-à-dire on demande par exemple à un directeur technique d'estimer combien de temps ça va lui prendre pour implémenter les tests. La réponse D. Il y a un défi à large montant avec les membres de l'équipe. La réponse D. Oui, c'est la réponse D. Donc, la C, non. On ne va pas demander à la direction de faire l'estimation des tests. Et donc, la E, elle est éliminée. La meilleure, ce n'est pas les développeurs qui vont estimer les tests à notre place. Et c'est basé sur l'intuition. Donc, on ne se base pas sur une intuition. On se base sur soit des métriques, soit de l'expérience. Donc, la meilleure, c'est la D. C'est une réunion Delphi à large bande. Et pour finir avec les deux derniers, donc, quels sont les éléments les plus importants d'un rapport de test pour faciliter la résolution? Est-ce que c'est une information sur le rapporteur qui a ouvert le rapport de défaut? Est-ce que c'est la priorité sévérité? Est-ce que c'est le résultat obtenu? Est-ce que c'est l'environnement? Ou plutôt les logs, des screenshots et des étapes de reproduction. Les logs et les screenshots. Oui, la réponse est oui. C'est ça, c'est la réponse E. Et le dernier. Logs, screenshots, étapes et reproduction. Tout à fait. Et donc le dernier. Réponse E. Oui. La dernière question, donc, dans quel quadrant les tests sont principalement manuels?
Est-ce que c'est le quadrant 2, 3, 1 ou 4? Pour rappel, 1, c'est là où on fait les tests unitaires d'intégration. 2, c'est où on fait en gros les tests système, tests US et tout. 3, c'est où on fait des tests d'acceptation par les clients et métiers, les tests d'acceptation globalement. Et le quatrième, c'est on fait les tests de sécurité, de performance, les tests non fonctionnels. Donc ceux qui sont principalement manuels, c'est lesquels? C'est les trois, c'est le quadrant 3 normalement, non? Pour le reste, pour tout le monde, c'est le 3 ou vous avez d'autres propositions? Normalement, les trois, oui. Il y a les tests d'acceptation. Le test expo soir. C'est ça, c'est la réponse 3. C'est le quadrant 3 dans 3. Tout à fait. Donc, c'était tout. Merci à tous pour votre attention, pour la participation. Pour ceux qui envisagent de passer la certification, bonne chance. Est-ce que vous avez des questions, Merci. des remarques avant de clôturer? Merci à toi aussi, Riyad, pour la bonne présentation et les explications, hein. C'est très gentil. Avec plaisir. Merci J'espère que beaucoup. c'était clair pour tout le monde. Vous avez faim, j'imagine, comme moi aussi. Riyad, juste avant, tu peux Merci à passer sur vous. la slide de juste avant? Juste avant, oui. C'est un petit conseil que je donne aux gens qui vont notamment passer la certif et d'ailleurs n'importe quel certif. Faites gaffe surtout à la première, enfin à la question, à la tournure de la phrase des questions, parce que des fois il y a un mot qui, par exemple, je prends l'exemple de la question 6, il n'a pas dit quelle est la bonne, il a dit quelle est la meilleure. Donc il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, mais à vous de trouver la meilleure. Et un dernier petit conseil aussi, passez plein d'examens blancs. Ça aide. Et sinon, franchement, chapeau pour la présentation. Mille merci et bon courage aux candidats. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci. 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 Au revoir. Bon, merci à tous. Bonne journée, bon fin de Merci, week-end. bonne journée. Bye. Bonne journée, merci. Au revoir.